Voilà. Pense que c'est mieux comme ça. Ouais. Allez, go. Que je pose mon... Ah oui, merde, il m'a vidé la carte. Ouais. Parce que je suis à l'étage. Merdoum. Je voulais mettre un indicateur géographique pour rejoindre le meilleur endroit pour choper un zombie champignon. L'intendant m'a montré où trouver ces esquiveurs. Il me tarde de parcourir la ville de nuit. Iradote, notre crâne. Pom. Et je... Alors, du coup, là, on va faire avancer l'histoire principale. Je disais, poser un prout-prout. C'était où la dernière fois où ça a failli marcher? C'était pas là? Je sais plus. Les fameux esquiveurs. Oh, et dire que j'étais à deux doigts d'en choper un, j'étais deg. Là, vu l'heure, j'ai le temps de traverser toute la ville. Donc, là-bas, je crois que j'avais essayé, j'avais été dégoûté, il n'y en avait pas. L'idéal, c'est de prendre une zone esquiveur avec une planque toute proche. Toute proche, toute proche. Et puis j'ai des planques où il y a des vendeurs normalement, non? Pourquoi je les vois pas? C'est pas indiqué. Bon. Bon, bah là c'est pas loin. On va y aller avec une aisance déconcertante normalement dans la zone. Hop, allez, je récupère les petites pièces de monnaie dans les tilifounets. Oh là là, le barrage à zombies là. Enfin, deux zombies. Ils essayent de me prendre en sandwich. Merde, ils vont m'avoir. J'ai toujours peur qu'il y en ait un derrière. Merde. J'ai voulu charger mon coup et j'ai merdé. Oh, zombie de feu. Ah, une excitée. Bonjour madame. Bonjour la madame. Au revoir la madame. Oh. Oui, on a pu lui dire au revoir aussi à elle. Oh là là! Oh, mais vous êtes combien d'excités? C'est pas vrai, pourquoi j'ai tous les excités sur moi là? Ils se sont donné rendez-vous, c'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable! Comme si je les attirais là, c'est un truc de fou furieux. Là, 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 là. Voilà, petite récolte tranquille. Est venu l'instant de la récompense. Toujours, on entendra toujours un gémissement de zombies. Rares sont les endroits où on n'en entend pas un, ne serait-ce qu'au loin. Oh là là, l'ambiance est toujours pesante. Non, il n'y a rien dans cette baraque, j'ai l'impression. Là, il n'y a pas des trucs à... Oh, bien de la bouffe pour... De manière gratos, ravoir la santé à donf. Oui, tiens, ce que je voulais voir, c'est dans le menu les documents qu'on ramasse. Comment on fait? Tiens, voyez, d'ailleurs, histoire, je suis à 22%. Je suis même pas encore à un quart du. c'est dans bonus les documents. Comment on fait pour voir les documents?
Mais non, c'est pas dans le menu principal, c'est dans l'inventaire. Ah, j'ai des points de compétences pas utilisés en plus. Bon, alors comme ça. Oui, la puissance. I've got the power. Bon, là, j'ai pas le choix. Enclume, allez hop. Pom, 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 pom. C'est où que je vois les documents récupérés? Inventaire? Non. Alors là, c'est la bonne question. Comment on fait pour lire les bouquins? Parce que j'ai récolté plein de docs, mais... Plan tout, non. Filtre suivant. Les disponibles, les armes 10-12, armes DLC, armes de jet, amélioration du buggy, c'est la deuxième partie plus tard, plan développeur, sortez les griffes et montrez que vous êtes zombie, félin, ouais, la bombe de ouf, ouais, elle est très dure à faire, je crois, ouais, il faut beaucoup d'algues, oh, l'idée de faire une sortie récolte d'algues, tout. Merde. C'est pas dans les quêtes. Là, il y a de la lecture dans les quêtes. Il n'y a pas un onglet... Oh la vache, les quêtes terminées, il y en a une tripotée. Il n'y a pas un onglet note. Oh bah merde alors. Là, je mets la légende, mais ça n'a rien à voir. Oh... À quel moment je peux voir les notes récoltées? C'est pas dans bonus? Astuce, classement, mais je m'en fous. C'est pas dans options, c'est débile. Ah, il faudra que je regarde sur Alloca sur internet. Je vais pas vous enquiquiner avec ça. Mais j'aurais bien aimé voir les documents que je récupère. Parce que visiblement, il y a vraiment quelque chose à y lire. Donc si ça fait partie intégrante de la narration et qu'on peut avoir des détails, j'oserais pas dire croustillants, mais pointus sur ce qui est arrivé, ça me plaît beaucoup. Des clopés du café, oyé, oyé. Ah. Mmh. Et des piles. Non, je vais me casser la figure. La figure. Attends, je vais passer un peu au-dessus parce que... Oh merde, il y a plein de trucs au-dessus. Oh là là. Oh, ils sont beaux ces paniers. J'adore. Bon bref. Attention le saut. Joli. C'est quoi ça? Ah, c'est pour dire que c'est un truc de... Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai un... Oh, c'est trop tentant. Dégommer le zombie sur le toit opposé à l'arc. C'est beaucoup trop tentant. Merde, j'ai tiré au-dessus, je crois. Oh. Ouais, il bougera plus. Bref, c'était mon petit plaisir instantané. Ah, c'est le début d'un parcours en fait. En même temps, c'est là où je me rends. Alors... Coucou. Oui, recoucou, tu une scène. Et recoucou, coucou. Merde, j'ai une excité qui m'a repéré. Ah, elle est passée par le toit. C'est horrible, ce jeu est horrible. Alors, maintenant que je suis plus tout en haut, bah je suis cassé dans mon élan. Attends, faut que je repasse sur le toit, moi, si je veux. Voilà. Oh, oui, une malocado. On veut tout, on veut tout. Pic. Le grappin, merde, non, le grappin, il est là. Oh,
avion. J'y ai cru voir un gros avion. Oh la caisse! Bah, je suis dans la zone où... Mais en attendant, je veux bien faire la... Oh la vache! Elle a été larguée loin, là. Attends. Merde, j'ai loupé le... Con, je me suis fait mal. J'ai loupé le fourgon de côté. Attends, la caisse, elle est loin, là-bas. M'en fous, c'est pas vous que je voulais, c'était la caisse. Mais va me lâcher, la miss. Je veux la caisse au cadeau. Encore une caisse pour moi. Pour moi! M'en fous, c'est pour moi. Putain, les zombies vont me mettre le grappin dessus, ça va être l'horreur. Non, ça va. J'ai du bol. J'ai vraiment du bol. Ils se sont barrés de la zone de largage, je sais pas pourquoi. Ça allait être dans le script. Évidemment, j'ai de la compagnie maintenant, c'était sûr. Mais j'ai le butin sur moi, là. Je suis fou. Ah si! Mais hey, il est plus humain, c'est pas possible. Il fait des trucs... Non mais c'est pas humain. C'est la mouche, Crane. Il arrive à voir à adhérer aux surfaces. Façon mouche. C'est devenu surréaliste. Ça, c'est pas croyable. Ouais, je veux bien sauter dans le... Merde, il y a des barbelés. J'avais pas vu que je sautais au milieu des barbelés. Ah, quand je vais sauter par-dessus, je vais me faire bobo au roubignol. Hop là. Aïe. Bon, ça fait moins mal que les barbelés, c'est ce qu'il faut se dire. Merde, j'ai une excitée. Elle est où? Je l'entends, mais je la vois pas. Elle est là! Est-ce que je peux faire goûter du grappin à mes adversaires? Oh merde. Oh. Non, elle a encore en vie. Elle a encore en vie, la vilaine. La vilaine. Je crois que je lui ai donné un coup de grappin dans la tronche. Ça y est, elle est morte, c'est fini. Oh là 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 là. Grappin. Oh. Ça donne un résultat déroutant, on va dire. Ah, zone sécurisée. Hey, mais il y a du peuple ici. Vendeur, vendeur. Vendeur. Oh, c'est Mama Champignon. Je l'avais oublié, la Mama Champignon. Vendeur, il est là, le vendeur. Vendeur. Flèche incendiaire. Bah voilà. C'est ça. Oh, cool. Ah, katana! C'est pour bientôt le katana. J'en rêvais du katana. On va y arriver. Je vais vous faire de ces carpaccio de zombies. Ça va être une horreur. Et la vache qui rit, ouais. Tant que t'as pas la coupe au bol. Oh mon dieu. Oh, je me serais jamais vu. De tout mon vécu, je me serais jamais vu, tu sais, avec le... Merde, j'ai des trucs à lui vendre. Je me serais jamais vu avec la coupe au bol. Ce serait... Non, j'ai pas la tête et la gueule à avoir un... Oui, une boucherie, oui. J'ai pas la tête à avoir la coupe au bol. Ça m'irait pas du tout. Là, là, non, erreur de goût, accident industriel. Là. Non, pas concevable. Bon, la zone où je suis censé avoir les zombies champignons de nuit. Je vais peut-être me poser dans le... Hop là, hop là. Presque. Merde, je suis allé un étage au-dessus. Ah, attends, il y a un balcon. Balcon. Et ben voilà. Merde, c'est verrouillé. Fais chier. Oh, moi qui pensais avoir un appart tranquille posé, là, bah tiens. Burp. C'est va te faire voir. Ils doivent apparaître dans le coin la nuit. Je crois que je vais aller dans la baraque bleue, ce sera mieux. Ou celle-là en face, elle a l'air pas mal. Eh, hey, celle-là en face, il y a un... Ouh, la chute, je suis fou, moi j'ai fait un saut de deux étages, je suis barge. Ah, il y a un boss.
Ah merde, je peux pas rentrer dans le... Là, 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 en attendant la nuit... Merde, j'étais presque. Ne me dis pas que le zombie va me rejoindre. Il y a un petit grillage entre nous. Merde. C'est pas au-dessus. Oh mais c'est pas possible! Oh, tout est verrouillé à mort à donf. Putain, mais c'est une planque rêvée en plus, cette baraque. Allez hop, grappin. Le toit. Ah, merci. Ah, un drapeau. Voilà, allez à l'onglet inventaire du menu joueur et appuyez sur F. Inventaire et appuyez sur F. Voilà, heureusement que j'ai eu le message. Non, j'ai pas de perruque coupe au bol. Non, 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 j'ai pas. Ça aurait été con, drôle, mais non, il n'y avait pas. Ça y est, c'est ça que je cherchais. J'ai 3 drapeaux sur 30 et j'ai 26 statues sur 100. Oh, j'ai à peine un quart des statues. Alors, les notes, c'est des vraies notes, c'est quoi? Mais oui! Waouh! Il va falloir que je vous fasse un... Un jour, il faut que je vous fasse un épisode YouTube spécial où je serai lecteur. La vache! Puis il y a des notes qui sont vachement longues. Il y a les journaux de combat de Marvin Zucker. Waouh! Il faut que je continue ma collecte. Et puis, il m'en manque pas mal. Ah, ça me plaît bien. L'idée de... Bah, tiens, la dernière page, j'ai rien du tout. Mais ça doit être la dernière partie du jeu. La deuxième partie que j'ai pas encore. Oh. Je me réjouis à l'idée de vous faire un épisode spécial lecture. Ah, trop bien. Ah, bah c'est cool. C'est des vrais trucs à lire. Trop, trop bien. Ah, ça fait partie intégrante de la narration, ça me fait trop plaisir. Pardon. Je fais des rototos, là. Oh, l'autre, il monte sur la table. du coffee, du black lava. Là, il a en veux-tu, en voilà. C'est une ancienne planque, c'est pas possible. Oh, le matos que je me récupère. En un appart, je me récupère 2 fois plus de... Pourquoi il se met en garde? Il y a un zombie dans le coin? Je me récupère 2 fois plus de matos que si j'avais le cadeau du... Cool. Du... Comment il s'appelle? Du... L'intendant, là, à la tour. Ah, une seringue. Ongle adhésif. Oh, c'est un petit labo de chimie. C'est rien du tout... Non, l'armoire là, je peux pas l'ouvrir. Non, mais à mon avis, il y a des... Oh, mais c'est bizarre, pourquoi il y a... Je vous ferai remarquer que ce matin, j'ai trouvé plein d'endroits où il y avait énormément de gaz. Je vais pouvoir me refaire une 50aine de kits de soins. Tranquille. J'aime bien la photo de la... Ouais, ils peuvent pas passer, ça a été barricadé. Incroyable, mais vrai. Mais ici, je suis en sécurité, en fait. J'aurais pas cru, mais je suis tranquille. Ah, on peut déverrouiller.
Est-ce que je prends le risque? Parce que ça fait peut-être une faille de sécurité, mais ça fait surtout une sortie de secours, on sait jamais. Si je me laisse déborder en état de siège... De la thune! 124 $! Ça va direct dans mon escarcelle. Bon. Ouais, il y a le... Il y a le loustique dehors. Je vais garder ma hauteur, moi, et oh. J'étais bien content d'être si haut perché. C'était vachement pratique. Il était où le balcon? Ah oui, il était là. Putain, c'est des planches dans tous les sens. Là, j'en monte sur la cage. Voilà. Là, je suis bien, là. Alors, l'heure qu'il est dans les jeux, il est 18. La nuit tombe à 21h. Est-ce que je prends le temps de fouiller en face avec le grappin? J'ai envie de dire oui. Putain, pour le grappin, je suis presque trop loin. Presque. Oh, stylé! J'adore. Le toit. Hop là. Oh. Mort, mais c'est bon. Il ne sera plus jamais animé. Burp. Balcon. Oui. Balcon. Bah, je suis arrivé par là. J'ai pas l'air idiot. Non, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ça se visite pas? Mais si, ça se visite. Attends, je vais faire le tour ou je bouge une vitre? Bon, tant pis. Ils vont m'entendre, mais... L'accès est plus... Voilà! Oh, 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 j'ai peur qu'il y ait du monde qui m'en visite, là. C'est un balcon isolé? C'est le premier étage, donc c'est un peu chaud. Hein. Pour peu que j'ai un excité qui me repère, il va venir m'enquiquiner. Bah, il n'y a rien de particulier dans cette sniff. Il n'y avait que le frigo. Bon, bah tant pis. Oui, le temps que la nuit arrive, je vais faire les autres baraques, moi. Oh, il y a un message. Alors, bébé et sa mère, pas de bouffe, pas de flotte, veuillez nous aider. Eh ouais. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon. Bah alors, j'allais dire, je pouvais le soulever. Ah, le fouiller. Bonjour, Christella, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Oh là, il m'a fait peur la manche du suite, là, qui m'arrive dans la tronche. Il m'a fait flipper, cet idiot. Oui, donc j'espère que tu vas bien, Christella. Merci, bisous, merci à toi d'être là. Je vais récolter de nuit la semence. Pas du tout un échantillon de... c'est horrible. Maintenant j'ai mon image tordue en tête. Un échantillon de la peau des zombies champignons de nuit là. Les esquiveurs comme ils les appellent. Yes. Oh. J'ai failli passer à travers les murs. Je suis Spider-Man. Avec le grappin, c'est ça. Oh, j'ai envie de le tenter. Qu'est-ce qu'il fout en PLS, lui? On dirait qu'il est en train de dégobiller. Oh, c'est trop tentant. Burp. Merde, trop loin. Oh, je lui ai fait peur. Merde, bah alors. Ah. Merde. J'ai attiré une excité. À moins que je la dégomme... Attends. Bouge pas, toi. Merde, Doom. Ah non, c'est un garçon. En plus, j'avais pas vu. Je croyais que c'était une demoiselle. Oh, il tient encore le coup. Merde, je l'ai loupé. Alors, tu me rends visite ou... Non, t'es en situation d'échec. Voilà.
Ouais, je l'ai calmé, il est mort. Monsieur Bonbonne, on l'a perdu, dommage. Ça aurait pu être drôle de faire mumuse avec. Je serais tenté d'aller en... Ah non, le v'là. Je serais tenté d'aller en face. Mais oui, il se met accroupi, c'est bizarre, comme si... Mais c'est un bug. En fait, c'est comme s'il était en train de dévorer la chair d'un cadavre, mais là... il est complètement bugué, cet idiot. Moi, je dis, ça mérite... Oh, j'ose. Je perds une balle exprès. C'est drôle, en même temps. Oh oui, j'ai fait un joli strike. Allez, venez les fous, venez, je suis là. Allez, venez me rendre visite. Je suis là, la nonasse. C'est ça, grimpe. Ah, comment tu vas faire pour m'atteindre, la nin... Mais elle va se tuer d'elle-même. La ninja. Non mais regardez-moi la ninja. Ça va être l'attraction de la soirée, elle. Allez. Oui, bien sûr. L'autre, elle défonce le... Pff. Ah, ils sont deux. Attention, ça devient dangereux, là, quand ils sont deux. Alors, il serait pas autant... Voilà, elle s'est suicidée, l'autre crétine. Bref, ça s'est fait. Il serait pas autant agité, je tenterais de me les faire à l'arc. Bon, lui, il est retombé sur ses pattes. J'irais bien en face, rien que pour fouiller le petit appart. Là. Oui, bien sûr. Jette-toi dans le vide, abruti. Oh, il a eu du bol. Ah, je l'ai stoppé net, je l'ai intrigué. Bon, allez, je prends la bonne arme et puis le grappin et je fais un petit cambriolage maison. Ah, et le grappin me propose même pas une accroche en contrebas. C'est peut-être parce que je suis trop loin. Ah, il me proposait l'angle. Oh la vache. Ah, c'est trop drôle. Voilà. Bing, bang, bang, bang. Merde, y a pas de porte. Non, là, je suis peinard. Alors, en attendant la nuit... Je fais mon cambrioleur en attendant la nuit. Il y a des choses à farfouiller par ici. Ah, là, par contre, c'est ouvert. Je peux peut-être pousser l'armoire, non? Ah, merde. Oh, c'est con. Il aurait dû me proposer de pousser l'armoire, là. Ils vont me mettre le grappin dessus. Voilà, ça commence. Oh, la vilaine. La vilaine qui pleure. Ça y est, je suis en train de me faire agresser. J'étais bien au niveau santé, vous allez voir qu'ils vont me mettre dans le mal. Oh, je me laisserai happer par le tunnel, mais c'est pas le moment. Ah! M'a fait peur! Sorti de la... Ah! Vous me faites tous peur à sortir de derrière l'armoire. Arrêtez! Je vous demande de vous arrêter. Bon, alors... Je retourne sur ma cage magnifique, là. Enfin, si je peux. Attends, c'est là que j'avais une accroche au grappin. Oui! Youpi! Ah, ouais, il y a encore une grosse heure, quand même, de... Avant que le soleil se couche pour de bon. Allons, bon! Il y a une excité qui se déclare. Ce cri de fou furieux... Alors, elle est où, la folle? Je l'entends, mais je la vois pas. Wouh! Oh, les beaux graffitis au mur. J'étais un boxeur. Ah, bah, la v'là, Miss Excité. Miss Excité, on t'a retrouvé. Une petite balle dans la tête? C'est horriblement efficace. C'est horriblement efficace. Alors attends, la nuit va arriver, je vais plutôt sortir ma lampe à UV. Parce qu'à défaut d'un esquiveur, je vais sûrement faire face à des rapaces.
et ça pourrait mal se finir. J'ai quasiment écumé. En plus, j'ai la zone de sécurité qui est là-bas. C'est bien. J'ai la zone sécurisée. Si ça tourne mal, je peux aller me planquer. Et je pourrais sauver mes fesses, quoi. Oh là 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 là. Je pense même, sans déconner, le marché là qu'on voit à peu près, le bazar, je pense que je l'ai mal écumé et j'ai dû louper des trucs. Il y aurait une statue dans un des... Que ça m'étonnerait pas. Dans l'un des stands, que ça m'étonnerait pas. Oh, une petite flèche sur le crâne. Oh, trop bien. L'autre, il se demande ce qui se passe. Je perds des flèches, mais c'est drôle. Tant pis. Oh, magnifique. Et puis, il y a lui, là-bas, sur le toit. Descends de là. Oh, ce jeu de lumière et de couleurs. J'avais dit que je gardais la lampe UV. Je suis en train de me planter dans mes options. Le piolet de la mort, le pistolet mitrailleur et ma super batte de criquet électrique que je vais bientôt perdre et j'en suis tristounet parce qu'elle fait des ravages. Bien aussi l'animation du vent dans les arbres. Non mais ils ont vraiment fait un excellent boulot. Hein. Le réalisme du jeu, j'adore. Je suis complètement pris dedans. La tour de Rise. Ah, le spectacle va commencer. Rapace. Là, dans l'eau, là-bas, je pense qu'il y a un rapace qui se déclare. Attends, je peux zoomer avec l'arc pour voir un peu. Ouais, il y a un rapace, mais il est pas là où exactement là où je m'y attendais. Mais il y a déjà un rapace déclaré. Moi, il faut que j'attende de nuit à repérer un comment ils appellent ça? Oui, un esquiveur, c'est ça? Ouais. Zone de nourrissage des esquiveurs. Merde! Qu'est con, faut pas que je tire une flèche, moi. Il serait au niveau de la voie ferrée, en fait. Putain, j'ai un rapace juste en dessous de moi. Bon allez, je vais pas le provoquer. Alors là, il faut ouvrir grand les yeux et essayer de repérer un esquiveur, un semblant de zombie champignon. Un zombie champi. Eh ben, c'en est pas un. Mais si, c'en est un. Alors, je l'abats ou je récolte sur lui? Je pense qu'il faille l'abattre. Hein. Je vais l'abattre de la manière la plus comique qui soit. La flèche explosive. Voilà. J'ai mon échantillon. Bon, il sera un peu chaud, mais j'aurai mon échantillon. Évidemment, les rapaces sont de sortie. Et hop. Oh, câble électrique. Tiens, je l'avais pas ramassé. Poursuite évitée. Oui, bah oui, il faut. Il faut que j'évite. Alors, mon échantillon, il est là-bas. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Doc, ça y est. Ouais. J'ai des boyaux de zombies pour toi. Ah, ils sont drôles de tête. Ouais, ils sont verdâtres. Ils ont une part de... Trop bizarre. Bon, alors, il va falloir que je rapporte mon échantillon à l'intéressé. Alors qu'il y a une tempête de nuit monumentale, je vais rester à l'intérieur, à l'abri. Alors, où est-ce qu'il est, le scientifique? Il doit... Oui, il est pas loin, il est... Ouais, il est là. Ouais, il est juste à côté, mais ça va, tranquille.
On va pas stresser. C'est moi ou j'ai entendu une détonation d'une fusée? J'ai l'impression que quelqu'un a tiré une fusée de détresse. Le bruit était trop bizarre. Est-ce que je peux... Ouais, je peux. Hop là. Oh, la portée du grappin! Oh. Ah non, mais sérieux, je suis Spider-Man. Allez. Je vais atteindre ma cible comme ça. Attends, j'attends que le grappin se recharge parce que... Hop là. Je vais rendre complètement barge les rapaces. Alors, le professeur, il est là-bas. Putain, j'en vois des rapaces en contrebas. S'il me repère, je suis mort. Là, je vais sauter, je vais faire du bruit. Attends, doucement. Non, 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 vous n'avez rien entendu. Attends, je vais passer au-dessus parce que... Voilà, très bien. Très bien. Oh, j'ai même la joie de me faire... Oh, de la marelle. De me faire une fouille en nocturne. C'est le grand luxe. Du, 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 du. Oh, moi, je vais bien, Christella. Pardon, je te réponds un quart d'heure plus tard. C'est dire à quel point je suis complètement absorbé par le jeu. Moi, je vais bien, merci, merci. Ah oui, j'allais dire, c'est bizarre qu'un panier en oseille, je puisse pas le dévaliser. Par contre, je commence à avoir faim, alors qu'il... Vous dire, j'ai fait une bêtise, j'ai pas pris de petit-déj. Je me suis servi mes biscuits, mais je les ai pas croqués. Donc, il est pas 11h, j'ai déjà les crocs. Je vous dis pas comment je vais dévorer ma pizza à midi. Ça va être la violence gustative. Ça ne veut rien dire. Bref. Ch'ti corde, ch'ti produits chimiques, ch'ti panier en oseille, ch'ti de bouffe. La 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 la. Di da da. Hop là. Ah, des petits clous, toujours des petits clous. Des petits clous. Quel est le produit chimique? Oh, une radio militaire. Alors là, je peux éventuellement déverrouiller, on sait jamais. Bon, il y a un rapace juste à côté, il faut pas que je sorte, mais ça c'est quoi? Ah, c'est la suite de l'appart. D'accord. Pas de plan. Pas de plan. Oui, un téléphone portable. Toujours bon d'avoir des pièces électroniques. Ça se bidouille. Oh, j'ai pas aimé le cri. C'était un quasi cri de ralliement d'un rapace. Là, c'est pas possible. Alors, faudrait... Oh putain. C'est un rapace que je vois en face, non? Oh, d'accord, tout va bien. Tranquille. Mais à un moment, il y avait un récit, il disait j'ai vu un zombie sauter de 13 étages et repartir comme si de rien n'était. Ça, c'est les rapaces. Mais tu te demandes s'ils sont habités à l'angle, la tour là. C'est troublant de voir les apparts allumés. C'est vraiment troublant. Mais logiquement, on peut pas y aller. Je serais pas confiant. Vous voyez, je devrais avoir un appart comme ça avec un balcon suspendu autant en avant. J'aurais pas confiance. J'aurais peur que le truc se casse la gueule. C'est con, hein, pardon, mais
Je vous donne mon sentiment premier, mais j'aurais trop les jetons. J'aurais trop les jetons. Lampe à UV, piolet. Hey, ça va être l'aube là. Ils vont se barrer les. Et puis le professeur il est en face. Par contre, je sais pas comment je vais redescendre. Ah, je vais me casser la figure. Explorateur. Allez, je vais descendre par. Oh merde. Fausse bonne idée. Heureusement qu'il n'y a plus de rapaces. Fausse bonne idée. C'est le genre d'erreur qui aurait pu me coûter cher. Ouais, bah c'est verrouillé, il n'y a rien. Oui, les ondes barres, on vous entend. Aïe, mince, je viens de me faire frapper. On vient de me violenter. C'est scandaleux. Voilà. Bon. L'excité me rejoint. Ou pas. Voilà. On n'en parle plus. Merde. Oh, il y en a du monde. Oh, il y a des choses à fouiller par ici. Où je commence. Oh non, je pense que le rez-de-chaussée doit être. Balcon intermédiaire. J'avais même pas vu qu'il y avait un mec. Balcon intermédiaire. Nope. Attends, je vais aller là, je peux. Non, je peux pas. Il veut pas. Je peux pas tomber. Oh merde alors. Voilà. Bon, j'avoue, il y avait rien. Mais c'était pour le principe de l'escalade. Oh la vache! Voilà l'échelle. Alors, nanana, de la bouffe. Petit mal. Oh, je suis déception, il n'y a que Puik. Ah bien, des piles. Oui, la disposition est bizarre de l'idée de faire une terrasse comme ça. Je veux faire la connaissance du mec qui étend son linge ici, sachant que soit il passe par la fenêtre et il risque de se tuer à chaque fois qu'il passe avec ses fringues, ou qu'il se coltine l'échelle pour aller tendre son linge. Je... Respect. Ah, il est là, il est tout proche le professeur. Mais je vais encore m'escater les roubignoles avec. Voilà, il y a tellement de barbelés. Oh, c'est haut! Aïe! Ouh, je me suis fait bobo là. Professeur! Ouh, il y a un vendeur ici. Bon, j'irai voir le vendeur après. Ah, Crane, entre, entre! Tu as les échantillons que je t'ai demandé? Excellent, excellent. J'étais en train de parler de toi au docteur Campbell. Bonjour, monsieur Crane. Content de vous avoir. J'ai entendu parler de vos Voyons exploits. Voir. Cette créature a un sang plus qu'étrange, sensible à la lumière. Et mortel sur une arme, je parie. Mais je m'égare. Ma dernière dose de réactif, un flacon d'antisine. L'échantillon, il est positif pour le virus recombiné. Camden, tu comprends ce que ça veut dire? L'expérience a marché. Quand j'ai mélangé la souche modifiée aux échantillons de viande, ça a marché. Ça pourrait expliquer les mutations.
Mais je manque d'équipement, contrairement à Camden. Dommage qu'on ait aucun moyen de lui apporter les recherches ou l'échantillon. On peut communiquer par radio, ça suffit pas? Il y a trop de données, Crane. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je ne suis pas sûr que l'on y survivrait. Si proche et si loin à la fois. Et si je vous apportais tout ça, Docteur Camden, en main propre, les données et les échantillons? C'est pas vraiment une bonne idée, Crane. Ce serait une mission ultra dangereuse. Ouais, mais le remède pourrait être la clé. Oh, tu nous sauves la vie, mon enfant. Tu nous sauves tous. Je te ferai signe quand tout sera prêt. File à présent. J'ai du travail. J'ai du travail. Voilà. Hé, hey, Crane, tu m'entends? Écoute, avec Omar, on a décidé d'aller faire exploser le nid. Ah! Quoi? Putain, Raïm! C'était mon boulot! Pourquoi? T'es plus qualifié que moi pour manipuler des explosifs, tu crois? Espèce de touriste! Bref, on a foiré. On a carrément merdé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Sur la passerelle! Et ça va! Va à la gare de triage et planque-toi! J'arrive! Omar! Derrière toi! Derrière toi! Raïm! Raïm! Bordel! Mmh. Alors, ils sont où? Chercher Raïm. Ok. Sur Bracken. La passerelle. Bracken, tu m'entends? 5 sur 5, qu'est-ce qu'il y a? Je pars chercher Raïm. Il a fait Raïm, le con. Il est ici. Non, Omar et lui sont partis faire sauter le nid. Et ils sont dans le pétrin. Hein? Quoi? Merde! Oui, ils ont trouvé les explosifs. C'est moi qui les ai piqués à Raïs. Oh putain de merde! Je suis pas loin, je vais le ramener, Bracken. J'espère. Tu vas le récupérer et me le ramener en vie que je lui batte le cul. Tu viens d'être au courant de tout ça? Non, elle est pas au courant. Lui en parle pas. Elle partirait à sa recherche. Dit-il qu'elle se mette dans le pétrin, elle aussi. Et merde! Oh, j'avais un vilain dans le dos, là. J'avais un super zombie. Oh, merde. Oh, il est pas à la porte d'à côté, l'autre. Ah, il me fait traverser toute la ville, là. Il m'a fait traverser toute la ville, grappin. Merde! Oh merde, il y a eu un bug. Enfin, un bug. Je me suis mal servi du grappin. Très bien. Oh vache. C'est efficace. Il est où cet idiot? Ah, il est sous le... D'accord. Alors, échafaudage. Il est où? Bah, il est... Ah non, il est là-bas. Hop là. Il est où? Le dernier point de contact avec Raïm. Ah non, c'est en haut. Ah mais le... Aïe, merde, je viens de me faire gros bobo. Le grappin, il est magique. Mais pourquoi tu t'accroches pas au toit, Nunuche? Attends, j'attends que le grappin se recharge parce que là, je suis en train de le bousiller. Merci. Ah, c'était là où il y avait le bus, il était là? Oh merde, c'est pas bon ça. Fouiller les corps. Quoi? T'es sérieux? Oh merde. Raïm, t'es où? Bracken, c'est moi. J'ai trouvé deux cadavres sur le pont entier. Aucune trace de Raïm. Merde, où est-ce qu'il peut bien être? Je lui ai dit d'aller se cacher à la gare de triage. Va le chercher. Ouais. J'espère que ce petit con est toujours vivant. Je pense, mais il doit pas être fier. Il a dû sauter par là. Ouh, le saut là, il est dangereux. Il est dangereux, j'ai failli me louper. Alors le passé, je crois que je l'avais passé de manière un peu plus propre. Oh merde. Ça c'est pas cool.
Si je me casse la figure, autant que ce soit au-dessus d'un toit. Ah bah ça passe. Oh, le bol. Chercher Raïm. Ouais, il est en contrebas. J'entre comment dans la garde-tree? Oh merde, j'ai un poupoute. Voilà. J'avais un aérophagique, on va dire. Oui, je t'ai vu, je sais. T'as très envie de... Hein? Voilà. Ah, c'est la porte là. D'accord. Je comprends mieux. J'ai trouvé que des cadavres sur le pont routier. Il semblerait que Raïm ait réussi à s'enfuir. Je lui ai dit de se cacher dans la gare de triage. Il se peut qu'il soit toujours en vie. Tiens bon, Raïm. Ouais, il faut espérer. Oh, on a des trésors. Alors, techniquement, enfin stratégiquement, j'ai commis une faute puisque j'ai pas regardé de l'autre côté du wagon. Il aurait pu y avoir une horreur qui m'attendait. Venez, bande d'enfoirés! Venez! Je partirai pas seul! Moi non plus! On va pouvoir faire mumuse! On va faire boubouge! Oh, c'est beau, il avait un truc discothèque sur lui, là, il faisait... Il m'a fait un son lumière, j'ai adoré. La 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 la. Bah alors, j'arrive pas à l'atteindre. Merci. Je n'y résiste pas, j'adore cela. Pop. Oui, magnifique. Et toi aussi l'excité. Oh, elle a giclé comme un caca. C'est moche, mais c'est drôle. Ah, ah. Oh, c'est horrible, sa tête et ses deux bras. De manière séparée, quelle horreur! C'est immonde, c'est abject, c'est glauque, c'est tout ce que vous voulez. La la la, il est caché dans le wagon, bouh! Je vais le laisser dedans un petit moment, le temps pour moi de faire une fouille réglementaire des locaux. Je savais pas qu'on pouvait accéder aux égouts. Je sens que la sortie va se faire par ce... Ah, merde, ça commençait à tourner. Ah oui, c'est par là. Ah, c'est au zénith à la verticale en fait. Que se fait le déverrouillage. Bonjour Funfan. Oh, je t'avoue que je m'attendais pas à ce que tu te réveilles si tôt. Parce que j'ai bien vu que tu avais stoppé ton direct à 3h du mat. Donc j'espère que t'es parvenu à faire une bonne nuit de sommeil. Parce qu'on est censé faire notre épisode commenté ce soir de 23h à... De 23h. De 21h à minuit. J'espère que tu vas bien. À mon avis, Harry Lampoté, il te sort par les trous de nez à cette heure-ci. T'as du grave saturé dans le... Mais au moins, c'est fait. T'as honoré le sondage que t'avais fait sur ton antenne. Il y en a plein qui vont se faire plaisir en regardant sur ta chaîne YouTube.
Ok. Ah. Oh merde. La gerbe qui... Eh, vive les flingues. Hein. Je sais pas s'il est mort. S'il est mort. Ah. Mais c'était un crasher classique. Oh, quelle horreur. Oh, regardez-moi cette horreur. C'était un crasher classique ou on aurait dit une fusion avec le... Bref. Avec un esquiveur. Rain, Rain, je pensais pas y arriver, mais j'ai armé les bombes. Tout va sauter dans moins de 5 minutes. Oh le con. Tu saignes. Je me suis coupé, c'est rien. Va placer les bombes. Tu bouges pas, ok? Je reviens. Oh merde, il reste 3:30. Il y a un accès aux égouts près du mur ouest. Passe par ce tunnel. Il te conduira jusqu'au nid. Oh là là là, c'était sûr. Oh, puis c'est bien rempli de flotte et de... Oh là là. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, non, mais je vais sortir des eaux putrides. Oh merde. Il faut que je cours comme un maboule. De retour à la surface. Tu vois le gros ponceau à droite? Passe par là. Une fois dans le bâtiment, prends la rampe pour te rendre à l'étage au-dessus. La rampe? Quelle rampe? Je prends le grappin. Merde, je me suis trompé de truc. Merde, mais... Attends, là, le grappin, le grappin, le grappin. Où j'ai ça, ouais. Ça, c'est bien. Je peux pas aller dedans? J'ai pas le droit, merde. Oh merde, 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 merde et merde. Mais comment veux-tu? Oh la vache. Merci. Non! Mais... Mais il est con. Surtout qu'il peut le faire, quoi. Bon alors c'est bien, j'ai évité un ennemi, mais... Mais va à l'intérieur, abruti. Grappin qui marche plus du coup parce que j'ai trop sollicité. Mais non, mais arrêtez de me casser mon point de décollage, salopard. Mais non, mais je vais crever avec la bombe. Tiens, le zombie il va m'aider. Merde, 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 merde et merde. Je suis censé courir et là je vais... Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, chiotte. Tant pis. On passe par là. J'ai perdu trop de temps, là. Je vais crever comme un caca. Elle est où, la suite? C'est là, le nid? Je fais comment pour placer la... Alors qu'ils sont en train de me démonter. On se calme, on se calme. Oh non, 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 non. La 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 la, je vais être buté. J'ai dit on se calme. Sinon je vous électrise. Putain, mais c'est pas vrai. Tiens, j'ai une... Merde, il reste 30 secondes. Et le mec il s'en fout, il prend les... Ah merde, mon arme est pétée. Mais je la pose où, la bombe de mes deux? Mais il reste 20 secondes, 10 secondes. Bah, je suis mort. Ah, c'est là, faut la mettre. Mais non. C'est bon pour la première. Sois prudent. Trouve un escalier pour monter à l'étage au-dessus. J'ai enchaîné trop de trucs en même temps. Boum. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le sage, c'est un secret pour pas grand monde. Je me couche très tard, donc ça va me lever à 11h. Non, mais ça va. Ça va, si t'as eu ton quota de sommeil, c'est ça le plus important. Il y a un accès aux égouts du mur ouest.
Les autres putrides, allez! D'ailleurs, ces jardes de dessin de niveau, c'est faire gaffe s'il n'y a pas une statuette à collectionner qui est planquée. Enfin, je trouverais que ce serait un peu chier parce que comme t'es en mode panique, je dois me manier les fesses. Ce serait peut-être pas très sympa de planquer une statuette. De retour à la surface. Tu vois le gros ponceau à droite? Passe par là. Alors, une fois dans le bâtiment, prends la rampe pour te rendre à l'étage au-dessus. Attends, il faut que lumière. Tu places la bombe sur une des colonnes. Oui, je connais la colonne, j'étais passé par là, j'étais monté, on s'est croisé avec le zombie de mes deux. Le truc est là, voilà. La suivante. Oh la vache! C'est bon pour la première! Sois prudent. Tu m'étonnes. Pour monter à l'étage au-dessus. Alors attends, j'ai une excitée. Ouais. Deux excités. Il y a une colonne identique à la première, ok. Ah, c'est un lien à passe l'immeuble! Tu m'étonnes. Moi qui disais qu'il fallait visiter les immeubles en rénovation, bah tiens. En fait, c'est des gros pièges. Il est où l'accès à l'étage, bordelum, je vois rien. Merde, on a chopé elle est chiant. Il m'a donné des indications, mais je les ai pas comprises. Étage. Ah oui, il y a un escalier. Ok, donc il y a un autre. Oh, attends, il y a du matos. Le mec, il fait pas ce qu'il faut. Bon, Youl! La. Merde, c'est cadenassé à mort. Alors, attends, il faut passer par là. Merci. Ensuite. Ah, il est là, ton pilier. Non, il est là. Merde! Le zombie en feu qui me stresse. Il est. Non, merde, il est pas mort. Aïe. Non, il est là, le pied. Il est là! Il est là. Je l'ai. Merde, j'ai un super. Je fais quoi? Il se passe un truc. T'as fini? Génial. Maintenant, sors de là. Si je peux. Si. Oh, merde, il y a un. Hop là. Merde, j'ai pas pris le bon endroit. Attends. Il me reste moins d'une minute. Je suis dans la merde. Oh là là, je les entends hurler. Ah ouais, sorti. Oui. M'en fous d'avoir tout pété. M'en fous. Au secours, reste 30 secondes, ça va faire chaque boum. Il est où le tuyau? J'étais passé par les égouts. Ninja. Je suis une tortue ninja. Oh. Oh merde. Non. Il s'écroule vers moi. Non. Oh les boules. Oh les boules! D'avoir vu l'immeuble s'effondrer sur moi, trop les jetons. Putain, j'en suis tombé dans les égouts. Oh la vache! C'est impressionnant. Oh, j'ai vraiment cru à un instant que l'immeuble, j'allais me le manger dans la tronche. Wouah! Brrr! Trop bien fait. Wouah, on n'en parle plus, youpi. Bon allez, je retombe dans les égouts. Je retombe de là où je viens. Blop. Alors, dans ces eaux putrides. Eh, on dirait qu'il y a un truc. Attends, déconne pas. On dirait qu'il y a un truc. C'est quoi ça? On peut pas y aller? Non, on peut pas. Je suis sûr qu'il y a des trucs à fouiller. Allez, hop, apnée, et on y va. Il y a quoi là-dedans? C'est un accès, c'est quoi? Non. Non, mon imagination me joue des tours. Oh la vache. Bonjour, Aeroster, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Bonjour, Torota. Waouh, vous arrivez tous en même temps. J'espère que tu vas bien aussi. Attends, c'est quoi ce bug? Il est en train de reculer à mort, vite, parce que l'apnée, j'en ai pas. Ça a beau être un athlète, Crane, il a pas une apnée non plus qui est surhumaine. Quoique, on pourrait avoir des doutes après tout ce qu'il a fait.
Oh la vache. Ouh. Allez, sur le wagon. Attends, il est où le... Il était dans le mal, là. Il était blessé, le pauvre. Raïm, c'est moi. Tu vas voir qu'il est devenu un zombie. Raïm, t'aurais dû voir ça. Tout le bâtiment s'est effondré. Ah, c'est triste. Non, Raïm, Raïm, c'est moi. C'est Raïm. Raïm, stop. Il était devenu un zombie. C'est une putain de morsure. Ouais. Espèce d'imbécile. Évidemment, Jade va être furax. Oh non, Jade. Elle va être furax. Oh là là. Rain, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? C'est Raïm. Et il est mort. Merde. Reviens ici. Et dis rien à Jade pour le moment. Ouais, ça va tranquillou. Bon bah c'est bien, tout le monde va bien. Donc comme toi t'as tel âge, rappelle, je fais ta pub. On se retrouve, et je te remercie d'avoir décalé. On se retrouve chez toi demain sur ton antenne pour un tournoi de bibi de 21h à minuit sur Mabalan Stream. Et là du coup j'aurai le plaisir d'être là, puisque ce soir aux mêmes horaires 21h minuit, d'où le décalage, nous avons l'épisode commenté chez FunFan. Ah mon dieu, j'en ai les yeux qui pleurent là. Le jeu m'en a mis plein la vue. Bon, il n'y a plus rien. Mais de toute façon, c'est la destinée de tout le monde, même du héros, que je sache à la fin, que de finir zombifié. C'est terrible. Mais c'est leur destinée. On ne revient pas de Aran. Terrible. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais dire à Jade? Il faut que je retourne à la tour. Que je trouve une solution. Ah non, mais elle va être en pétard. Jade Scorpio, là. Alors, je rappelle que j'ai déjà vu un... On me dit en anglais un playthrough. J'ai déjà vu l'époque de Fanta et Bob. J'adorais les regarder. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. C'est en voyant leur aventure. Donc en fait, en gros, je dis bien dans les grandes lignes, je connais déjà le scénario. Jusqu'à la grande fin et la veuve du général militaire. Enfin bref. Et toi, tu vas mal finir, toi. Oh, tu vas très mal finir là, madame. Oh, je l'ai joliment planté sur la bagnole. Crane est quand même capable de dire aux zombies, c'est moi, rappelle-toi. Ouais, bah oui, non, mais ça, c'est dans le fait d'avoir un attachement à la victime qui est devenue zombie. Eh oui, c'est l'horreur. She's lower. Bref, par contre, je me souviens plus de la colère de Jade. Ou Jade. Pourquoi je dis Jade? Je prononce à l'américaine bêtement. Mais... Elle va être en pétard, comme c'est pas permis. Et si le héros, qui est vraiment un sacré gars, a lui aussi la crainte de mettre en colère Jade Scorpio, c'est dire à quel point elle doit être redoutable. Merde! Il y a un salopard qui m'a gerbé dessus. Ah merde, alors, il est où? Ah bah, ils sont juste en face. Aïe. Salopard. Allez hop. Boum. Et lui, pareil. Boum. Voilà. Ah, attention. Hop, petit wagon. Hop là. Mais non, j'ai plus besoin de l'arc, là. Je peux me débarrasser de l'arc. Le grappin de l'amour pour le bus. Oh joli, oh magnifique. Alors, attendez.
Parler de la mort de Raïm à Brecken. J'ai pas de quête secondaire. Non. Non, non. Bon, on va aller voir Brecken. Là, j'en ai tellement fait des quêtes secondaires que je suis condamné à poursuivre l'aventure principale. C'est pas plus mal, me direz-vous. J'avance enfin, mais... Le market. Ah, oh, j'avais ri comme un fou avec mon arc et mes flèches. Bon. Strike. Ouais. Eh, c'est con, mais ça fait plein de points d'expérience. Hein. Ah. Trop drôle. Bon, ah tiens. Petit crochetage. Tranquille. J'ai eu le bol de tomber sur l'angle qui permet de déverrouiller. Oh, une faucille. Et la faucille du fermier. Ouais, je crois qu'il n'y a rien ici. Il n'y a que Puik, malheureusement. Digi 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 digi. Oh, cette musique. Alors, redescendre, ça va être un peu violent. J'ai voulu faire mon idiot avec le grappin, mais... Aïe. Non, très bien. Très, très bien. Hop, je peux me barrer. Attention, saut de barrière. Ouais. Le coup du saut de barrière... Attends, il y a quelqu'un à sauver. Ça me rappelle... tiens, faudra que je vous en parle du jeu télévisé là. Je sais pas s'il existe encore au Japon. Demain qu'on bavardera. Oh, j'ai reçu une nouvelle tenue. Cool. Chasseur de tête. Oh, trop bien. Ah, c'était pas une bonne idée d'entrer ici. Non. Et du coup, mon gars, t'es coincé avec ton rideau de fer. Bon, bref. Faudra que je vous parle d'un jeu télé au Japon qui était vachement bien. Pourquoi? Parce que le coup de la barrière m'y a fait penser. Il y avait une candidate qui s'était viandée, justement. Elle avait voulu faire sa maline, faire son acrobate et enjamber la barrière. Et elle s'est malencontreusement viandée comme un caca. Je viens de me rappeler de la scène en fait. Ah, là, 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 là. C'est pas une bonne idée, ouais. C'est un coup à se faire mal. Ouais, ouais, ouais. Oh, l'équilibriste. Extraordinaire ce garçon. Alors, ça c'est ouvert. Ah, ça c'est pas ouvert. Pas de zombies? Je la tente. Y'a pas de zombies, je la tente aussi. Y'a pas de zombies. Non, j'ai cassé mon crochet. Y'a pas de zombies. Youpi, youpi. Oh! Du café, un kit de soins. J'apprécie la récompense. Ça va, c'est pas haut. Là. Pas déconner. Même moi, dans la réalité, j'enjambe. Sans broncher. Et je suis pas si fragile que ça. Alors, est-ce que c'est une planque avec un vendeur? Ah, je peux pas faire le crochet sur le grillage. Le crochet n'aime pas. Oh. Oui, c'est ça, va-t'en. Laisse-moi fouiller. Laisse-moi fouiller l'endroit. Voilà. La 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 la. Oh, c'est des armes de jet. Ouais, t'as mon toujours ça de prix. Hein. Je vais pas cracher dans la soupe. Même si vous l'aurez deviné à la voix, je ne suis pas enthousiaste. Mais oui, mais attends. Parce qu'il y a plein de zombies autour de moi, mais.
Attends. Voilà. Alors, vendeur, vendeur, es-tu là? Tu es là. Coucou. Il se prend pour Indiana Jones avec sa tenue, le mec. Un quoi? Un kishpesh. Oh là là. Oui, c'est l'équivalent d'un katana. C'est l'équivalent... l'équivalent maghrébin. Enfin, maghrébin. L'équivalent du... Oui, si on peut le dire. Enfin, du, de la culture arabe, je pense. À la tour. Bonjour. Oh merde, j'ai loupé mon truc. Ça a failli mal tourner. J'ai voulu faire le mariole. J'ai... Voilà, ça m'apprendra à faire mon malin. Ça aurait pu tourner au drame. Le grappin, je peux pas aller sur les balcons. Oh, un teddy. Ah, j'ai cru que c'était un truc à fouiller. Oh, oh, oh. Oui, j'allais dire, j'entends une excitée. Allez, viens. T'en meurs d'envie. Allez, viens. Viens et meurs. Oh non, il y en a un autre. Aïe, il m'a fait mal, lui. Il m'a mis une mandale, le salopard. Eh ben dis donc. Yeah, oui. Et là, il monte sur le HLM, rien qu'avec le grappin. Ce serait vertigineux si c'était possible. Bon, je sens que ça va être l'instant drama. Vous le voyez venir, l'instant drama? T'as besoin de quelque chose? Ouais, de soutien. Ah, ça parle mal. Oui, couperet d'abattoir. Merveilleux pour les décapitations instantanées. C'est horriblement efficace. Bon. Ah, quelque chose pour nous. Le moindre truc compte maintenant. Yes, c'est, mais y'a rien d'autre pour toi. Ça le viendra. Du calme. Du calme. Ah, je suis nerveux. Je cherche. Si on part dans une rixe après, on se patate. Oh, lui, il aura une quête à me proposer, mais c'est pas maintenant. Ah non, c'est à côté, je suis con. Scénarium. Oh bah, il va encore pester, lui. Il va encore faire son rageux. Bon, comment? J'ai dû le tuer. C'était trop tard, il avait basculé. J'avais pas le choix, je te jure. Et c'était mon ami aussi. Mon meilleur ami ici. Je sais, je sais. Il me rendait dingue parfois, mais... Mais je l'aimais comme un frère. Un autre ami qui nous quitte. Un autre frère qui nous quitte. C'est moi. C'est moi qui lui ai confié les explosifs. Bon sang, si je l'avais pas laissé là, il serait peut-être encore en vie. Oh non. Ah, Jade. Elle a tout entendu. Jade. Attends. Jade. Merde. C'est bon. Laisse-lui. Laisse-lui un peu de temps. Mmh. Oh, c'était quoi? Serré. Oh vache. Ah merde. Empêche-le de l'enlever. Ah merde. D'accord, il se fait kidnapper le scientifique. Oh les boules. Oh la vache. Oulala, il est où, il est où, il est où? Alors heureusement que j'ai de l'équipement, mais... Merde. Ça continue de péter, tant pis. Oh le raffut, toi. La vache. Attends, 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 grappin, grappin, grappin. Grappin, grappin. Mais y'a plus rien. Oh merde, ils sont morts les gars. Mais non, mais il n'y a plus personne, il est mort. Je vais prendre le pistolet mitrailleur. Allez, vous dégagez. Balle en pleine tête, c'est fini. Merde, qui c'est qui me viande? Putain, faut que je recharge. Oh, il est efficace mon flingue. Oh, une épée. Trop bizarre. Oh la vache, ils ont du matos.
Inventaire plein. Ah, je le regrette. Je regrette d'avoir l'inventaire. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Oh la vache. Chiant. Oh punaise, ils ont un matos. Attends. Je vais faire une sélection là. Je vais faire une sélection parce qu'il y a du matos de qualité. Je me ferai pas. Je vais peut-être garder un bouclier, on sait jamais. Je sais pas comment ça va tourner l'aventure, mais. Les couteaux de Gémiter. Je m'en fous. Les armes de jet, je sais pas m'en. Enfin, c'est pas que je sais pas m'en servir. Mais j'ai pas le réflexe de. Donc je préfère prendre le reste. Faut que je me soigne aussi avant qu'on me tire dessus. C'était quoi son truc? C'était ça. Ça, c'était de qualité. Non, mais c'est trop tard. Ils l'ont kidnappé, les salopards. Ils ont. Eh, c'est du matos, hein. J'aurais pas dire, mais. Oh là là, le carnage. Comment ils se sont tous fait avoir? Bon, les excités, vous allez vous calmer, là. Boum. Bon, bref. Cherchez le docteur Zéré. Oui, mais il est pas là. Alors, c'est pas tout de me mettre une indication, mais il y a personne sur le toit. Il peut pas être sur le toit, le mec. Oh, des plans. Cool. Un Zazigalka. C'est un langage de l'Est de l'Europe, Zazigalka. C'est du bulgare, c'est quoi? Drôle de nom. Il n'y a plus personne. Ah, il est encore vivant, merde. Ils ont capturé Zéré et l'ont embarqué. C'était pas ma guerre. Bleh. Oh, le pauvre. Comment qu'il gémit. Paix à ton âme, mec. T'auras fait le job. Merde, jusqu'au bout. Zéré a été kidnappé. Sa caravane est en feu. Et merde. Tu vois ce qui se passe quand on se voit à Rice? Vous n'auriez jamais dû aller à l'école. On a repéré un important groupe de bandits qui se dirigeait vers la garnison de Rice. C'est sûrement là qu'ils ont emmené Zéré. Va le chercher et ramène-le-moi en vie. C'est oh, merde, il fait nuit. Merde. Ouh, c'est chaud. On peut dire maintenant que le zombie vole bien. Ouais. Ah, j'ai des compétences non utilisées. Mais c'est vrai que pris dans le scénario, dans l'ambiance du jeu, j'ai moins en moins peur de me promener la nuit. Ah, savoir fabriquer un bouclier, c'est pas mal. Attaque camouflée. Apprenez à attaquer les infectés quand vous êtes camouflé sans attirer l'intention. Ça peut être pas mal. Il y a tout qui est intéressant. Tout est vachement bien pensé. Nickel. Ah bah c'est le fameux balcon dont je me moquais. Au revoir madame. Le mec qui étend son linge, mais impossible d'accéder à la à la terrasse en temps normal. Bref, je suis plus à ça près. Ya. Ah, on voit rien de rien. Hein. S'il n'y a pas de lumière, c'est foutu. M'en fous, j'ai un lance-grappin. Je me la pète. Cambriolage. C'est l'heure. En fait, il n'y a pas d'heure dans le jeu pour cambrioler. C'est horrible. C'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le cadeau. Ouais, bof. Allez. Ah, dis Iski. Oh, vilain zombie. Merde, il y a un rapace devant moi. Il faut que j'évite de faire l'idiot. Oh merde, il faut que je traverse la. Chut, attention. C'est. Ouais, je me suis fait mal. C'était haut. Là, le pauvre Crane, il s'est tordu la cheville. Obligé de passer en contrebas. Peut-être que passer en aval, ça va m'aider. Il n'y a plus qu'à prier pour qu'il n'y ait pas de rapaces. Il faut
J'aimerais bien le voir à ma place, lui, il est drôle. Tiens, d'ailleurs, j'ai du loot. Ouais, ça, c'est du cadeau, ça. Ça, c'est la partie cadeau. Elle est toujours là, la caisse. Ah, pas mal. Je fais un vacarme épouvantable. Je pense que vous l'entendez. C'est très bien fait. L'effet de réverbération est très bien fait. Burke. Non, là, faut pas déconner. Là. Mais le tuyau aurait été stratégiquement très pratique. Merde, il y avait un rapace là, non? J'ai cru que c'en était un. J'étais tout le rapace. C'était tout. Attention. Merde, je fais face à un rapace. Évidemment, il est en train de me mater. Youpi. Ah bah c'est à l'école. Non, ah non, j'y ai cru. Non, je vais peut-être pas passer par le toit. Il n'y a pas de... J'espère que t'es en route vers la garnison de Rice. Il va arrêter de me stresser en me parlant à la radio spontanément, là. En plus, il fait nuit noire, mais nuit noire, quoi. C'est... Wouh! Mais c'est un miracle que j'ai pas croisé encore de plus de... Bon, je vais me taire parce que les rapaces sont sortis. Et je vais me porter la poisse. Oh, les déluges de nuit, c'est dingue, Azaran. Oh, il y a une caisse à cadeau. Je crois que le rapace est en dessous. Il est sous le pont, hein. Il est pas avec moi. Parce que sinon, je serais déjà mort depuis... Merde! Pardon. Oh! J'y étais. C'était quelque part par là. Merde, je sais plus. Bon, c'est foutu. Mais elle va me lâcher les basques, elle? Ah, elle est chiante. Je sais plus. Du coup, je sais plus du tout. Ah, c'était au zénith, j'ai l'impression. Voilà. Du coup, je fais de la mouise et je perds des crochets, mais vraiment bêtement, quoi. Enfin! Ah, récompense! Qu'est-ce que t'attends pour aller récupérer Zéré? Il y a du matos en route, mon gars. Ça se refuse pas. Enfin, oui, j'allais dire, non, inventaire plein. Merde! Merde, merde et merde! Allez, le wagon. Bon. Merde! Oh, j'ai failli me louper! Non, le rapace, il est en dessous. Heureusement pour moi, la lecture de la carte. Ah, ça va être le petit matin. Mais attends, mais il est où? Il est à l'autre bout de la ville, le mec. Ah, ça va. Je suis en face du dit bâtiment. Alors, attends, je descends sur les rails. Comment on entre dans son bâtiment? C'était quoi, ça? Oh, la vache. Attends, je vais me faire repérer, mais... Ah oui, merde, j'avais pas vu qu'il y avait des zombies avec moi. Ah bah, j'ai survécu, oui, c'est un miracle. Oh, 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 oh. La mandale fut tellement violente que le mec, je l'ai encastré dans le décor, là. Il a glissé... Il a glissé comme une caca. Doudidouda. Faut que j'aille en face. Avec ma lampe torche, je me fais repérer. Ah mais oui, j'avais oublié que c'était là l'entrée. Putain, mais ils sont trop nombreux. Aïe, ah, ils m'ont chopé, salopard. Bon, j'ai deux mots Morgan, à lui rire, là. La garnison est fermée. Tout est condamné. Je vais avoir du mal à entrer. Trouve une autre issue, c'est tout. Par l'arrière, peut-être. Mais fais gaffe. Ouais. Si tu te fais prendre, tu vas passer un sale quart d'heure. Je sais. Je n'ose imaginer ce qu'il pourrait me faire. Oh.
Des champignons mignons. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Oula. Bon, bah bonne popote pour ceux qui commencent à passer en cuisine pour préparer le miam. Moi, je vais faire mon plaisir du week-end, le Joker Pizzouille. Je sais même plus à quoi j'ai pris la pizza. J'ai dû prendre une reine. Et l'autre, je sais plus ce que c'est. C'est dommage, ils n'avaient pas de flamme à cush en... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un ego qui s'est fait gicler. Ils n'avaient pas de flamme à cush en promo. Et c'est vraiment dommage parce que j'aurais adoré. Attends, je vais passer de l'autre côté. Peut-être de l'autre côté l'accès à la planque de rice. Ouais. Voler des vaches. Voler des vaches. Voler des meumeux. Oh là, il y a tout qui crame. Il y a de la fumée partout. C'est... Oh là là. Je pense que j'ai fait un mauvais choix, là. Stratégiquement parlant. Merde. Ah, il y a des barbelés. Ah, attends. Ah, ok. J'ai trouvé une entrée. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir. Ouais. J'y vais. Reste vigilant, surtout. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est... Attends. Oh. C'est moi ou j'ai vu un... Ah non, c'est mon arme qui... Ok. J'ai cru que j'avais vu de la gerbe sortir d'un balcon. Et que c'était un zombie qui était en train de dégobiller, en fait. Atrocement. Alors là, pour être sport, c'est sport. Putain, la vache. Mais je me répète, le jeu est excellemment bien pensé. Non, mais là, c'est piégé, là. Je peux pas rentrer dans l'immeuble, là. Je suis allé trop loin, là. J'ai fait une bêtise. Attends. Faut que j'aille au-dessus. Avec le grappin. Non. Non, je fais des conneries, là. C'est pas possible. Là, je vais attenter à ma propre vie, là. Non, il est sur le toit. Déconne pas. Ah oui. Bien, il esquive bien le gars. Oui. Ah, ça fait mal. Ouah, un coup d'épée moyenâgeuse, ça fait bobo. Bon, je vais tricher. Ah non, ça c'est drôle. Tiens, saute. Attrape. C'est la meilleure des armes. Oh merde, con. Mais l'autre, il est venu au corps à corps. Les gerbeurs vous cracheront du venin toxique. Tu m'étonnes. Ah, j'avais trouvé la parade. J'aurais dû monter en fait sur le... Voilà, attends. Là, il faut que je monte sur le toit du toit. Et là, je vais bien les faire suer. Enfin, c'est là où il y en a plus. Ah non, je suis pas sur le bon toit. Merde. Je suis sur un toit voisin. Ah con. Alors, ça peut être intéressant en même temps. Mais... Ah bah oui, planque du joueur. Trop bien. Je vais pouvoir gérer mon inventaire. J'en ai du matos. La vache, regardez-moi ça. Achète de gemmes médiévales. Je range. Rangez-moi tout ça. Pareil, les hachettes Tomahawk, j'en ai trop. Ah oui, là, je suis peinard avec ça. Largement. Tiens, j'ai deux types de pétards. Je sais pas pourquoi. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des variantes de pétards. Ah, la tenue. J'ai une nouvelle tenue en... Elle est où? Il m'avait dit tout à l'heure, vous avez une nouvelle tenue. Il m'a fait en Suisse. N'importe. Elle est où, la nouvelle tenue? Oh la vache, il est trop badass, le mec. Wow, trop bien. Ça fait Rambo. Je dis oui. Je sais pas c'était quoi la nouvelle tenue. Bon, c'est mal indiqué. Mais c'est bien, on a l'embarras du choix. C'est beau d'avoir la richesse de... Oh, il y a un vendeur.
C'est un vendeur. C'est ça. Le gars de Rice, il m'a fait bobo avec l'arme là. Ça fait vraiment mal. Flèche explosive. Ouais. Il m'a fait bobo, le chaligo. J'ai... Oh, $150 de matos à vendre, c'est la misère. C'est la misère. Les temps sont durs, mon gars. T'as pas idée. Alors, voilà, c'est vers là-bas, chez Rice. R, alors attends, je me penche et hop, j'appuie sur R. Allez, hop. C'est par là-bas, la bâtisse Sarah Rice, son QG à la noix. Tiens, je me souviens pas de cet endroit. C'est la décharge. Et je suis... Eh, j'étais déjà venu ici, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh la vache, la quantité d'explosifs, dis donc. Bizarre. Bon, bref, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Non, bah alors le grappin, il va m'aider, mais elle est sur le wagon. Allez, hop. Ah, oui. Très bien. Nickel. Non, l'excité. Voilà, viande, l'excité, on n'en parle plus. Ah, il y a un pompier. Je me le fais pour le fun ou... Non, je peux pas. Il y a trop de monde là, c'est trop dangereux. Ah oui, c'était par là-bas, la Solus. C'était... Attends, il y avait un échafaudage. Non, c'était pas là. C'était par là-bas, je me souviens. Ouais, voilà, c'était ça. C'était ça, il fallait que j'aille sur le... Attends. Sur le toit, vous allez voir que je vais me casser la figure. Merde, il veut plus. C'est mon angle d'approche qui est pas bon. Ah, les barbelés, j'aime pas, je vais me faire bobo. Bah oui, j'ai pas le droit de faire ça. Merde. Non, si. Ah non, je peux pas. Merde. Attends. Oui. Oh la vache. J'ai fait beaucoup trop, faut que je fasse gaffe, où est-ce que je prends mon grappin, moi je suis cinglé. Qui c'est qui me tire dessus? Ah les mecs ils sont au sol. Bon bah tu s'amuses à essayer de me dégommer. Je vais sur le toit. Ah ah. Aïe. Faut un bobo. Merde, mon grappin il est pas... J'ai plus besoin du grappin. Alors, vous allez moins rigoler là. Allez, bande de vilains, venez par ici que je vous botte le cul, que je joue avec mes flèches Rambo. Allez, pointez-vous. Ouais, je vais me battre comme un homme, ouais. Ah, le v'là. Bon, allez, blanc. Ah, ah. Bon, bah là, il est mort, hein. Il a descendu 10 étages en une seule fois. Il y a un mec là-bas. Je sens que je peux me le faire de très loin. Non. Merde, j'ai gâché mon truc. Oh. Oh là, comment qu'il est tombé comme un caca en contrebas. Il y en a d'autres ou... Et son truc c'était du... à tout faire exceptionnel. Bon bah ça se refuse pas. Alors, il y en a d'autres des loustiques. Ouais, ouais, je me ferai pas avoir deux fois. Si, il y en a un là-bas. Putain, mais il m'a même pas vu. Avec toute cette agitation, lui, il continue tranquille. Il fait son tour de garde. Je sais pas si je vais l'avoir de là. Je crois pas. Pas mal. Mais il réagit ou pas? Mais le clampin. Oh, magnifique. Je l'ai eu. Attends, je vais aller vérifier parce que c'est dangereux. Je vais prendre mon... carrément mon flingue, je m'en fous. J'ai la chance d'avoir du matos.
crois que je l'ai eu. Oh, la tache de sang. Si c'est lui, il est bien mort. Machette. Ah oui, pour les décapitations. J'ai cru que c'était un gourdin. Ah, lui aussi, il a giclé hors de l'immeuble. Ah, bah, c'est pas plus mal. Bon débarras. Si c'est ça, ça me va très bien. Alors, avant de trouver l'entrée du bâtiment, je vais me faire une joie de fouiller. Il y en a des choses à vérifier, punaise. Putain, ils ont carrément démonté la porte, les mecs. Tranquille. Ah, l'entrée du bâtiment est ici. D'accord. D'accord. Je pense qu'il n'y a rien sur les... Non, non, ils gardaient juste les chaises pour faire les vigies, là. C'était tranquille, ils pouvaient admirer la nuit. Par une belle nuit d'été bien, bien chaude, ça doit être extra. Oserais-je dire que c'est romantique? J'irai pas jusque là, vu le carnage en ville, mais bon. Ah, la musique change. Bon, bah... Ah... Oh, allez, un petit trésor, j'espère. Ouais, sympa, le... L'amélioration d'armes. Ça fait plaisir. Bon, il n'y a rien de plus. Rien. Pas d'indication dans les graffitis. Bon. Ah, si, il y a fouillé ici. Ah, il y a un grand local. Il y a un max de mal, là, visiblement. Il y a du matos. Alors, petite boîte à clous. Le pauvre docteur Zéré, là, il est en train d'agonir. Il est en train de se faire torturer. Moi, tranquille, je fais mes courses. Ah ! Les synchro-saintes statues. Je le savais qu'il allait y avoir un bonus récompense de fouille. La récompense d'avoir mis son épaule tout. Pas le coup. Allez, on va faire la suite. C'est là que ça se passe. D'ailleurs, je vais allumer la lampe torche parce que... Comme le scénario de l'école, trop bien. Un truc en intérieur. Je me demande si le bouclier va pas m'être pratique. Le grappin va me servir à rien en intérieur, donc je vais le remplacer. Je vais remplacer le grappin par le bouclier, parce que... Comprenez la logique, ça va de soi. J'ai envie de me préparer une arme par avance. Ce serait peut-être malin d'ailleurs de faire ça. Oh, la hachette à tout faire, elle est violente. Hein. Elle est violente. Plus de dégâts, plus de résistance. Bah, j'essaie de me faire une arme bien résistante. Ouais. Je veux bien. Je vais l'améliorer et je vais la fabriquer avec je sais pas quoi. Poison d'esquiveur. Oh, tissu d'esquiveur. Ajoute un grand effet toxique à vos attaques. Bah, c'est parfait, ça. Je vais m'en faire une arme de qualité. Ça, pour exceptionnel, elle va l'être. À mon avis, je vais la pleurer quand je vais la perdre et qu'elle sera complètement pétée. Une machette et panga! Panga! Un wood pour la ventoule. Il y a un peu de ça. Encore? Non. Ah non, j'en ai plus. Faut arrêter. Une impératrice? Non, mais j'en ai marre de l'impératrice, moi. Allez, électricité! Allez, zou! On va les tenir au jus! Allez, c'est parti.
Ouh, je sens que le défi va être relevé et bien mouvementé. Piller son camion et emporter tout son équipement. S'il avait des notes de recherche, j'imagine qu'elles ont également disparu. Bah oui, il a tout confisqué, le trou duc de Rice. Je sens qu'il y a des balles qui vont se perdre, comme l'indique la cible. Et c'est Crane. J'aurais besoin de l'assistance du GRE, maintenant. Pas de bol, agent Crane. Vous êtes au ministère de la Défense. Quoi ? Il se passe quoi ? Où est le GRE ? Le groupe de ravitaillement et d'entraide est passé au second plan. C'est nous qui dirigeons à présent et Aran est devenu zone cible code 1. Attendez un peu là, vous pouvez pas raser cette zone ? Il y a des centaines d'innocents ici, peut-être même des milliers ! Aucune importance, c'est pour le bien de milliards de personnes. Vous devez bien comprendre ça. Il y a un scientifique ici, un type du nom de Zéré. Il travaille sur un vaccin, il est près du but, j'ai vu ses notes. Si vous rasiez la ville... Je comprends. Je ne vois pas trop comment un scientifique tout seul dans une ville ravagée pourrait trouver un vaccin et... Bon. Vous avez 48 heures. Ah la Jed. Entre le fusil à pompe et le fait de... Armageddon. Voilà. J'ai militaire. Pff, j'aime pas les armes de jeu. Oh, un canapé. Un siège style rococo, là. Ouais, c'est dommage. Je vais bientôt me séparer de l'arme, là. Je peux revenir ou... Ah non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de revenir. Bon, il suggère qu'il faut faire usage d'armes de jet, mais je suis pas chaud. Je suis pas... Ouh, je sens que ça va me plaire. C'est le genre de configuration que j'adore. Et là... Ah non, je peux pas ouvrir, c'est scripté. Ah si, je peux ouvrir. Alors attendez, je vais faire la fouille des apparts, je n'y résiste pas. Ah, ma kleptomanie me reprend. C'est trop rigolo. Un câble électrique. Oh, je pense qu'il y a au moins le plan d'une arme en cadeau dans cette... Ils se sont fait suer à modéliser le niveau, c'est trop bien. Oh là là. Oh là là. La, la, la. C'est quoi ça? Ah, c'est un ventilateur. Sugar, spin, sugar. Ah oui, je suis pas en top forme, moi. Ouais, intéressant que je trouve des trucs à grignoter sur mon parcours. Non, je pouvais pas ouvrir la porte. Bon, la suite. Oh, gare. Ce corridor me dit rien de bon. Oh là là. Ok, il y a une cage ascenseur. Attends, les landaus, ça me fait flipper. Si vous avez joué à Fallout 3, vous savez que les landaus, faut s'en méfier. Parce qu'il y avait un truc horrible dans le jeu. Il foutait un jouet de... comment dire, un faux bébé quoi, en plastoc, mais il était piégé à l'explosif. En fait, il y avait un détecteur de mouvement. Vous heurtiez à peine le landau, il explosait. Ce truc m'a traumatisé. Oh, je serais obligé, un jour je vous ferai Fallout 3 sur mon antenne en direct, parce que ce jeu est trop bien. Ce jeu est trop trop bien. Ah, je vais pouvoir appeler l'ascenseur, mais à mon avis, je vais... Je devine que je vais appeler les ennuis avec l'ascenseur. Je le devine. T'as la vache, comment qu'ils ont tout cadenassé, tout barricadé, c'est trop bien. On s'y croirait. Merde, c'est cassé. Ah, carrément. J'y arriverai peut-être en forçant. Allez, il va faire son Terminator. Il est pile 10 heures dans le jeu, on le voit grâce à la montre qu'il a au bras. Vertigineux, génial, finalement l'usage du grappin. Oh merde, pariez combien que je me pète la jambe. Voilà, allez, ça c'est fait. Ça y est.
Oui, on est à l'intérieur. Oui, tu m'étonnes. La 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 la. Je suis nul. Je suis nul. Attends, faut rester appuyé ou il faut successivement appuyer comme un fou furieux? Je suis mauvais. Mais j'y étais presque. Accorde-moi. Tant pis, je vais le faire au vrai clavier parce que j'y arrive pas. Eh, c'est dur! Oh là là, faut bourriner comme un excité. J'ai bousillé le ressort de ma touche, moi, à l'usure. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. J'ai entendu quelqu'un? Zéré? Non. C'est le professeur Zéré que j'ai entendu gémir? Oh merde, il y a un loustique de mes deux. Oui, je t'ai vu. Allez, blanc. Mais il est nul, lui. Allez, t'apprends à parer, mon gars? Non, visiblement, non. Voilà. Magnifique. Balle en pleine tête, c'est réglé. Suivant. Je vais me les faire à l'arc. Allez. Ah merde, j'ai pas pris le... C'est peut-être moins dangereux. Après tout. Robin des Bois. C'est un succès. Théorie de Robin des Bois, c'est rigolo. C'est rigolo. Ah, la prochaine fois, je vais faire le fou avec les explosives. Je ne m'en lasse pas. Il y en a encore un hein, dans le radar. Là. Alors. Ah la vache. Ah, il y a du matos de qualité. Oh là là. Ouais, Fossi, pardon. Ottoman. Je dis oui. Hein. Ouais, inventaire plein. De toute façon, c'est une arme de jet. Donc, je suis pas chaud à l'idée de la récupérer. Eh, pariez combien qu'à un moment à l'intérieur, il y a encore une statuette à récupérer dorée là. Encore que j'ai le doute parce que je me dis, comme c'est une mission scriptée, c'est. Je pourrais peut-être pas revenir en fait. Encore que c'est faux l'école, on a vu. Je suis libre d'y revenir quand je souhaite maintenant. Je peux me taper le délire de... Et je le referai parce que j'adore, j'adore. Tout simplement. J'adore. Ah, le v'là. Coucou. Allez, saute de joie, mon gars. Ah, il a vraiment sauté pour de bon, là. Quelle horreur. Il a très sauté, là. Kit de soin. Cool. Oh, la vache. Carrément une épée médiévale. Tranquille. Ding dong. C'est les étrennes. Ah, ah, ah. À part à fouiller. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Mais il n'y a pas grand-chose. Bah alors. Ah. Oh, c'était un alcoolique. Il y avait un whisky dans le paquet à linge. Oh, porcelaine. On peut casser? Non. Dommage. C'est moche, mais ça aurait été drôle. La 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 la. J'aurais préféré de la bouffe en fait. Parce que comme je suis pas en top top niveau santé. Voilà. Là j'ai une petite barre de d'Evolva là. De céréales locales. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oh, le beau deal. C'est le beau deal. Ah ouais, non, personne. Oh, c'est quoi? Ah, pièce électronique. Ouais, ça aurait été dommage de fermer les yeux là-dessus. Ça aurait été dommage. Kit de soins. Un pack de kits de soins, carrément.
Ouais, j'en ai 36 des kits de soins. C'est bon, des conserves, produits chimiques. Ah, du miam. Hop là. Oh. Oh, des formules. Tiens, tiens. Oh, bizarre. Ouais. Ils ont tout le loisir de vider le stock de... Où es-tu, mon ami? Il dit ça d'une manière... Wouh. Il est où, mon rendez-vous coquin? C'était bizarre, franchement, de la manière dont il l'a dit. C'est... Wouh. Il était pas dans son état normal, le mec. Ouais, bonne app. Oui, y'a pas de soucis. Bonne app. Oh, je m'arrêterai pour 13h. Histoire que je retrouve l'activité de l'après-midi à 14h. Je pense que je vous mettrai ma nouvelle compile de clips aujourd'hui. Je sais pas si je le fais aujourd'hui ou... ouais, je pense que je vais vous garder tout du long aujourd'hui. Et c'est demain midi où je ferai une coupure... Il y a la nouvelle compile de clips qui est prête du premier trimestre là. Je vous l'avais annoncé en avant-première, je sais plus, peut-être chez Christella, je crois, hier. Et j'ai réussi à la boucler jeudi midi. J'étais trop content. Je l'ai visionnée une fois, elle était bien, c'était cool. Les salopards, ils sont improvisés un stand de tir. À la guerre comme à la guerre. Oh le bordel. Elle dure un petit peu moins d'une heure. Pour une fois qu'au niveau durée, je suis en dessous de la moyenne. Ça change un peu. Ah ah. J'en connais un qui va sauter de joie. Mais pourquoi il me tourne le dos, cet abruti? Oui, j'allais dire, lui, il est pas prêt de se relever. Pa 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 pa. Non. Y'a rien au mur? Non, c'est des boîtes aux lettres. Courrier. Y'a du courrier. Oh. Non. Y'a pas ce que j'espérais dedans. Cuillère. Non, y'a rien d'autre. Bon, la dépouille du loustique là. Kit de soins. Inventaire plein. Oh, j'en arrive à regretter d'avoir l'inventaire plein. Parce que c'est une belle machette. Ouais, les hachettes de jet médiéval, par exemple, je vais jeter. Attends. Hachette de jet médiéval, j'en ai rien à péter. Ouais, je dépose tout. J'ai médiéval, shuriken, je m'en fous de ça. Je suis pas arme de jet. Voilà, comme ça je libère de l'espace. Voilà, pour ceux qui veulent s'amuser à jouer les ninjas, moi je veux ça. Alors, couteau, j'ai militaire. Alors j'aime bien, t'es censé te presser, être dans l'urgence. Moi c'est limite si je vous prends pas des photos. Merde, munitions de pistolet plein. Non, on va... Ken, j'ai pas vu Zéré à l'intérieur. Ça a l'air vide. Y'a un sous-sol. C'est peut-être là qu'il est. Ouais, je pense. Je pense qu'ils sont allés tout au fond du trou, ouais. Ça fait durer le plaisir, c'est très bien. Ça me va très bien. Oh, difficile. D'ailleurs, un beau cadeau. Un beau cadeau à l'intérieur. Ouch. Ah.
La photo du chien. Moi, j'ai hâte de revoir le... Oh, Brigitte Macron. Non. Non, je déconne. Quand elle était plus jeune. C'est vrai que le portrait pouvait faire penser à une de ses filles. Tiens, d'ailleurs, on n'entend plus du tout parler. Il y avait le côté familial chez les Macron au début, de la première présidence, premier mandat. Mais je suis en train de me dire... Enfin, en même temps, je ne regarde plus la télé française, donc je dois louper des trucs. Mais on n'entend plus du tout parler des filles de Brigitte Macron. Bref, on s'en fout. Oui, la suite, elle est... Non, elle est par là. Elle est par là, elle est par là, elle est par là. Oh ! Des fleurs. Vous êtes une fleur. T'es un geek ! Il y a des ordis. C'est l'appartement d'un geek. C'est l'appartement d'un geek. Oh ! Pistolet ! Cool. Câble électrique. No, senior. Alors, autant je geek, autant j'ai pas de chariot de course avec du vieux matos dedans. Faut pas déconner non plus. Oh! Ok. Alors là, c'est un geeko-terroriste. Oh la vache! Tu me diras, les armes valent de la thune. Alors. Non, non, c'est bien. Tout ce que j'ai, franchement, c'est bien. Ouais, ouais. Oh merde! J'ai pas vu que je pouvais péter les écrans. J'ai pas fait exprès pour le coup. Bon, allez, la suite. Il y a plus beaucoup d'hommes, Rice, j'ai l'impression. Il y avait tellement plus de Gugus avant. Le bordel que ça va être dans le sous-sol. Oh, il y en a du monde. Un petit pout. Voilà. Je suis là. Je me l'ai fait direct ou pas? Laissez-le moi. Ah. Il est où? Ah merde, j'allais dire avec les flammes, je le vois pas. Rambo! Ashiwitito Rambo! Oh la vache, salopard! Ah merde! En plein dans le cul, l'autre! Grossier personnage! Viens par ici que je te déloge. Ah, il est entre deux piliers, je crois. Oh! Alors là, il a sauté, mais joyeusement, Mickey. J'en viendrais presque à regretter d'avoir foutu le feu, parce que ça m'éboule. Ouais, du coup, le loustique, je le vois pas. Ah, bien, il bouge. Pas con, le mec. Ah, il est passé là-bas. Oh, je l'ai eu dans le dos. Je lui ai offert son épilation, mec. Le Mickey, il est rincé. Là, là. Oh là là. Oh, oh. Oh la violence. Bon, au moins je sais que j'ai pas de soucis de munitions. Putain, mais il y a des mâles partout. Je vois des mâles partout. Ah, ah. Attends, il y a un truc qui est caché là, non? Non, il n'y a même pas de bonus, c'est scandaleux. Allez, rien que pour le plaisir. Ouf. C'est rigolo. Oh, ça m'a coûté une balle. J'aurais vite fait de la retrouver. Difficile. Il y a une surprise dedans.
Elle est où la surprise? Bon appétit pour ceux qui passent à table. C'est vrai que c'est déjà l'heure. Mmh. Oh, je suis tenté de prendre la machette, j'aime bien, mais j'en ai suffisamment. Alors, purée pour Funfan, pizza pour moi tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, je fais vœu que vous puissiez une déjà manger à votre faim. Que vous ayez du plaisir, de l'appétit en passant à table. Très très bien modélisé, j'aime bien. Putain, les enfoirés, ils avaient une Jeep militaire, quoi. Oh, tranquille. Enfin, tu me diras dans Aran, vu ce qui s'y passe, ça sert plus à grand chose. Mais on serait dans une zone un peu plus champêtre. La Jeep militaire, je prends tout de suite. J'ai rien loupé. Évidemment, on ne peut pas y aller. Ah ah ah. Ils ont emmené le professeur dans le véhicule. Ouais, inventaire plein, munitions, la joie. Rappelle-moi de prendre un 9 mm si par hasard j'ai plus de carabine. Va-t-il y avoir un duel face à Rice? Peut-être. Bon, je me garde astucieusement les tonneaux d'explosifs. Quand que là, ça doit être disposé. Merde, il est déjà là, ce con. À l'avantage de l'adversaire. Oh, quel amateur je fais. Ah oui, tu te bouges au plafond, mon gars. Je t'ai encastré. La rigolade. Ah, je l'ai vu bouger. Rambo! C'était pas ma guerre. Il était temps. Joli! Ça fait une belle scène d'action. Oh, comment je les plante au plafond, ça me fait délirer. Trop bien. J'espère qu'il y en a d'autres. Je suis prêt. Je suis là pour vous botter les fesses. Faut faire gaffe parce que c'est une poudrière. Hein. Ils ont mis la quantité de barils d'essence. C'est la folie. Ça va péter. Oula, je me tiens à côté d'un explosif, c'est pas bien. Ah, il y a du monde. Hop là, terminé. Ah, il est là, lui. Je te vois, ma grosse. Bouge pas. Oh, je sais même pas si je récupérais son... Si, ça dépouille quand même. J'ai cru que je l'avais encastré dans les tuyaux du plafond. Ah, la musique, elle est sympa. Ouais, 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 ouais. Ah, il y a un loustic sur le côté que j'ai pas vu. Merde, il me tire, l'enfoiré. Il me tire dessus, je le vois pas. Il est où? Il doit être derrière la colonne 15 km/h, là. Je pense. Ah, il est là-bas. Il est en bas. Et je t'ai vu. Ouh, danger pour moi. Faut que je fasse gaffe. Là. Je t'ai vu. Coucou. Allez, pour le plaisir. Oh. Loli, lalou, vous êtes sûr que je loupe rien? Oula, oula, ça a été tellement violent, vous avez vu, il y a des boyaux en... Eh, c'est cool! C'est une planque. Oh! Oh là là! I shake it to the rumble! Non mais il y a tout pour faire la guerre en fait. Hein. Quand vous voyez l'arsenal qu'on peut dérober, c'est... Wouh!
Wisebot, il est tellement... Il est tellement buggé, j'ai remarqué que ma mon plan caméra, vous savez, quand je suis en gros plan, j'ai même plus les citations. Il doit être en cours de maintenance, Wisebot. Ah bah, il est bonne, ils l'ont allumé pour moi, c'est con. Burp. Oh, j'en ai eu un. Bien. Ah, j'y vais au flingue. Non, allez, Rambo. Oh, il a feu aux fesses, lui. T'es en flamme, mon gars, je t'ai vu. Oh, le con. Ah, comment je l'ai planté. Ah, oh bien, il est derrière la camionnette, le salopard. Non, je l'ai loupé. Ouais, magnifique. Ah, je voudrais pas dire, mais ma dextérité, elle est bonne, là. Je suis content de ce que je fais. Merde, je le vois pas. Il a bougé, ce con. Là-bas, il y a des explosifs. Ça peut être drôle. Merde. Oh, j'ai oublié de tendre ma corde. J'ai failli me blesser. Ah non, il est là-bas. Ah, derrière la camionnette aussi. Ok. Décidément, ils prennent tous les mêmes... Ah, je l'ai eu. Je crois qu'il n'y a plus personne. Bon, faut que je fasse gaffe. Il me reste 25 flèches explosives. Je vais garder mon flingue sur moi, on sait jamais. La 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 la. Oh là, ce déluge d'armes. Chez la guerre. Chez la guerre, thermonucléaire. Bonne popote et jardinage. A plus tard dans la journée, Christella. Oui, t'as raison. Profite bien, t'as bien raison. Bon miam, bon jardinage, à plus. C'est bien, il y a tes filles, Cannelle et... qui vont se défouler, là. Cannelle et... À chaque fois, j'ai envie de dire caramel. Ah, voilà. Attends, je reviens en flèche... Ah, incendiaire. Ouais. Et noisette, merci. C'est terrible, hein. Je retiens que c'est une couleur ocre. Le point commun du nom de tes chiens. Enfin, tes filles, comme j'aime bien les appeler. Mais... c'est... Voilà, quoi. Oh. Trop bien. Ouais, Rambo. C'est rigolo. Alors. Oui, non, bah non. Je suis déjà trop gâté. Alors, inventaire plein. Oh, il est où, ce con? Au secours. Ah, il est là. Laisse-moi t'allumer. Oh merde, il m'a tué. Bon, j'aurais pas dû faire mon héros à la noix. Je redémarre d'où, du coup? Ah, je recommence le sous-sol. C'est pas pour me déplaire. Oui, si, je reconnais. Ah oui, mais... Ah oui, je peux courir dans les zones que j'ai déjà... Ouais, j'ai déjà fait ça. Hop, 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 hop. Oui, la suite était là-bas, c'est ça? Oh, je fais mon mariole. Les incendiaires. Alors, ah oui, il est là-bas. Coucou! Ah, je vais peut-être pas gâcher mes balles, va. Ah, je croyais que je l'avais eu, mais non. Salopard. Allez, monte tes fesses, toi. Que je te dégomme. Et il a rechargé. Merde, j'ai loupé. J'ai loupé bêtement.
Yo. Ah, là il en a eu plein la vue. Trop drôle. Ah. Il va falloir que j'arrête d'entrer avec l'arc parce que comme je suis dans un milieu fermé. Bon, bah, retrouvaille heureuse. Ou pas. Oh putain. Qui va là? Du calme. C'est le facteur. Crane. Ouf. J'ai un truc important à te dire. Je vais mourir. Mais mes notes ne doivent pas disparaître avec moi. Vous n'allez pas mourir, Doc. Mais chut, il faut qu'on file. Et s'il vous plaît, parlez moins fort. Ok. Juste une chose. Il faut que le docteur Camden récupère mes notes. Ouais. C'est pour ça que j'ai donné les paquets à Jade. Je sais que c'était toi qui devais les livrer. Mais je l'avais sous la main, alors... Doc ? Hein, c'est Rice. Tiens, tiens. Notre cher docteur, notre bon docteur décide enfin de parler. Retrouve le scorpion, à tout prix. Avec plaisir. Et ces deux-là, on en fait quoi? Vous la trouverez jamais. Jamais. Et je dirai rien. Rien, jamais. Pour l'instant, je veux juste vous empêcher de vous enfuir tous les deux. Une espèce de sadique, un homme de son âge. Soignez le docteur d'urgence. Et jetez Crane dans l'arène. Dans l'arène. Oups. Bah, faut que je suis équipé. Ah bah non, ils vont. Forcément, ils vont me dépouiller. J'ai trop désiré. Je voulais le ramener à la tour, mais Rice et ses hommes nous entendent une embuscade. Je sais pas comment tout ça va se finir. Bah. Ça va se finir dépouillé. C'est ça qui me plaît pas. Ils vont me mettre à poil, forcément. Je vais plus pouvoir me la péter à la Rambo. Oh, j'aime pas ça. Allez, debout. Mais c'est le jeu. Oh merde. Lève-toi et marche. Tu es un véritable serpent qui s'infiltre, Crane, dans la cité des menteurs, le roi des mensonges. Qu'est-ce que tu racontes? Réponds, enfoiré! Vas-y, perds ton sang-froid. Mets-toi en colère, je t'en prie. Si je... Pas mal. Dégagez les corps. Laissez Crane. Entendu. C'est un grand malade. Ah là 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 là. Bon. Il s'est remis de sa sieste. Ah bah ça va, il est là. Oh, le pauvre docteur. Oui, bien sûr. La 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 la. Évidemment, j'ai plus rien. Ça va de soi, c'est drôle. Et merde. Alors, couteau de gemme maison. Mais c'est de la merde. Pétard, ouais. Les pétards peuvent servir. Ouais, je suis condamné à refaire le plan. Eh bah, quand je pourrai retrouver une planque, je serai ravi de retrouver mon matos. Il doit y avoir autre chose sur les autres. Oh merde. Ouais, des pétards, ouais. C'est quoi? Ah, des couteaux de jet, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça craint, ça craint. Ça craint du boudin. Marteau. Ah, une autre.
Soupir. Oh là là là. Ah ouais, tu parles, vous avez été dépouillé, ouais. Cherchez vos objets dans votre planque, ouais. Cherchez vos objets dans votre planque. Elle est où la planque? Elle est où? Alors, j'observerai bien le contour de l'arène. Bon. J'ai la chance d'avoir que des petits zombies. Mais il va me foutre évidemment le colosse de la prison, j'en suis quasiment certain. Il n'y a rien de particulier. J'essaie de repérer les lieux. Mais hey, attends, ça escalade ça? Ah oui, je... Oh, arrête, tu peux escalader, mec. Mais oh, il exagère. Je sais que c'est des fils rouillés, mais... Oh, oh, oh. On se croirait, vous savez, on se croirait dans une arène à la Tekken. Ça fait franchement l'ambiance là. Oh la li, lula, la li, la lula. Merde. Et merde. J'ai pas eu le temps de me barrer. L'idée était bonne, mais mal appliquée. Hop là. Merde. Ouais. Venez ici. Ouais, bof. J'en ai eu moins que je souhaitais. Il me reste pas une bonbonne. Je les ai toutes pétées. Pas mal. En même temps, c'est dur. Ah, faut qu'il reprenne son souffle. Merde, il a pas eu le temps de faire un mouvement de balancier en sens contraire. Oh, c'est une catastrophe. Ah, puis j'ai plus de kit de soins, bah oui, forcément. Donc faut pas que je me fasse avoir. Oh la vache, y'en a pas mal. Pourquoi c'est devenu un excité, lui, subitement? Hein? Ne me dis pas que je peux péter les piliers, quand même. Oui, bah oui, tu m'étonnes que j'aimerais bien utiliser des kits de soins, mais j'ai plus rien. Plus de jus, j'ai plus d'énergie. Il a quoi? Des cigarettes? Ça va pas m'aider. Ils ont de la thune et des clopes, mais là c'est malvenu. Là il y a la bonbonne, ça peut aider la bonbonne. Je la mets au milieu de l'arène, on sait jamais. Couteau, ouais, on sait pas. Ah, petit couteau simple. Ça commence à me plaire. Là j'ai de la gaz. On est d'accord, je peux pas me faire de... Ouais non, je peux pas.
C'est la gaz ne suffit pas. Ah, je peux fabriquer un nouvel objet. Lequel? Lequel? Attends, il y a tellement de trucs que je vais faire défiler. Je peux même pas. Oh, dur. Non, mais t'as fait chier. Je peux pas faire défiler à la souris mon... Bref. Kit de soins, il me faut... Ah ouais, de l'alcool. J'ai la gaz, mais j'ai pas l'alcool. Et là, fait la poule. Je doute qu'un zombie puisse avoir de la... de l'alcool sur lui. Ouais, mon cher Tunsen. Je vais l'avoir dans le baba... Oh, pied de table. Toujours ça de prix comme arme. Gaz. Là aussi. Lui, il m'a pas encore repéré. Attends. Est-ce que j'ai bien récupéré ce qu'il y avait comme box? Oh merde, il y en a du monde. Ah ouais, il s'est subitement révélé comme étant un super zombie. Autant dire que je suis mort. Allez, résilience! Oh non, mon arme est brisée. Je suis débarrassé de la manière la plus pertinente possible. Et ben je m'en sors bien. Parce que là j'étais on entendra parler de tes exploits. Dommage, tu ne seras plus là. Ça y est, tu prends ton destin en main, c'est ça? Il est où cet idiot? Malheureusement. Pas mal pour un homme mort. Alors lui, quand le plaisir, c'est bien, ils arrivent dans le scénario à faire monter le plaisir, la rage de lui botter l'arrière-train. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Évidemment, il va ouvrir un accès que j'aurais pas le temps d'atteindre. Parce que là, il y a un sas d'entrée, là, il y en a un autre là. Ouais, ouais, salopard, tu fais ton mariole, tu rigoles, mais... Ton heure va venir! Et tu vas mourir! Alors, débrouillez-vous pour sauver la reine et récupérer la machette. Quelle machette? Ah, ça! La machette en scénarium. Oh! Une livraison. Oh les salauds, ils ont dessiné un flot dessus comme si c'était un vrai cadeau. Alors. Mais oui, il m'avait manqué. Il m'avait manqué. Mais bien sûr. Oh putain. Aïe. Ah puis il vise large avec ses gravats, il est chiant lui. Il est où? Il est là-bas. Oh là 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 là. Bon. Il va venir ou quoi? Allez, viens avec moi. Et il a pas aimé. Il a pas aimé, c'est cool. La deuxième, elle est là. Merde. Allez, viens. Je suis là. Ah.
Ah, il a pas aimé, hein. Merde! Bonjour Cyril, bienvenue. Bonjour, bonjour. Merde, l'idée était pas mauvaise, mais une fois de plus, je l'aurais mal appliquée. Ah, j'ai cru que c'était une nouvelle bonbonne. Une bonbonne d'un nouveau type. Je peux pas me faire de... kit de soins, là? Non, tu me diras, mais non, j'ai pas ramassé d'alcool, je rêve. Je rêve. Ah si, 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 si! Je sais pas comment j'ai récupéré de l'alcool. Oui! J'ai un kit de soins! Oh, le bonheur! Je me sens revivre! Je revis! Tiens, d'ailleurs, il n'y avait rien dans sa boîte, là, Monsieur Cadeau? Non, il y avait de l'herbe. La bonne blague. Alors, il est où? Il est là. C'est ça. Allez, viens. Putain, c'est chaud. Aïe! Je crois qu'il se fait bobo comme un grand. Hein. Je suis pas sûr de lui faire bobo. J'ai le marteau, j'ai le tuyau. Regarde, ça c'est foutu. C'est tellement foutu que je peux le démonter. Oui, parfaitement. Et je vais prendre le pied de table. Je peux pas améliorer, j'ai rien. Ah oui, non, mais j'ai rien. Je peux pas fabriquer un truc. Si! Ah si! Ah non, mais non, j'ai pas ce qu'il faut. Lacérateur. Mais non, j'ai pas ce qu'il faut, dommage. Oh, si seulement. Faut pas se faire bobo là. Oh! Oh! Eh, je lui ai fait sauter son casque! Je l'ai décasqué le Mickey! Putain, elle est bonne celle-là! Je l'ai décasqué! Merde, lui aussi il a apporté pour me bouffer. Oh non, on m'a rajouté une excité. Oula. Oh merde. Mais l'excité elle est toujours là. Non. Ah non, non, c'est le boss que je vois sur mon radar. C'est autre chose. Hop là. Allez, viens. Aïe! Ah, il a la moitié de sa vie, espoir. Ouch. Alors moi, je vais pas tarder à être à la moitié de ma vie aussi, mais c'est... Non! Mais j'en ai marre qu'il me rajoute des excités! Je devrais t'exempter d'excités, là, parce que je me bats... Merde. Je me bats vachement bien. C'est scandaleux. Bon, toi, tu me gaves, on va mourir. Bon, bref, j'ai pas le temps de... Mais bon, il n'y a plus que lui et moi. Allez, viens. Pourquoi ça gaze? Mais il est con, il a foutu une lacrymogène. Ah ouais! Je suis en train de lui péter son armure petit à petit, dis donc. Merde. Ah, je le voyais pas reprendre des forces aussi vite. Alors, je redémarre à où? Ouais, il est quand même en partie entamé d'un tiers. Ça va, ils ont pas été trop vaches. Ils ont pas été trop vaches. Bon, c'est vrai que j'ai les pétards, mais je vois pas comment je peux le... Allez, viens le loustique.
Allez, cours, Forrest. Ah, ils sont chiants avec leur gaz lacrymo là, ou leur... ça, il aime pas. Voilà. Il est presque... Merde, j'ai une enragée alors qu'il est presque mort. Chut. Voilà, désenragé. Il y en a plusieurs. Merde, mon arme est pétée. Faut que je me barre ailleurs. Ouais, j'ai réparé mon arme, c'est bien. Allez, go. Merde. Aïe. Évidemment, j'ai la petite blague du démolisseur. Hop là. Allez, ma grosse, viens. Ah bah, je l'ai eu. Ah, on lui a injecté le virus. Tu as bien diverti mes hommes. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une fin que prolonger l'inévitable. Mais vas-y, défonce-toi. On ne pourra pas dire que j'ai été dur avec toi. Oh, l'autre. C'est un grand malade. M'en fous, je suis camouflé. L'inhibiteur. Comment ça? Il est où? Il m'a acheté un truc? C'est quoi? C'est où? C'est ça? Hein? Tes exploits ne m'étonnent plus, Crane. Le GRE choisit bien ses agents. Oh, merde. Abaissez la plateforme. Jette ton arme. Le chaos, Crane. Le chaos est la clé. Celui qui ne le comprend pas est un idiot. Je vais t'expliquer. Bassam, tu me reçois ? 5 sur 5. Publie le fichier. À vos ordres. Et... c'est fait. C'est parti. T'es fou, allié ! Putain, tu viens de condamner des milliers d'innocents avec ton fichu chaos. Tu ne sais pas ce qu'il y avait dans ce fichier. Le GRE voulait transformer le virus en arme chimique. Ils veulent s'en mettre plein les poches. C'est tout ce qui les intéresse. Et toi, tu es devenu leur macaque apprivoisé. C'est pitoyable. Allez, tuez-le. Oh, cette scène d'action. Pour une fois que c'est lui qui perd sa main, Rice, ça change un peu. Oh, le Dieu. Venez, on rentre. Crane. Non. Sauve ces gens. Il ne mérite pas ça. Toi, donne-moi cette torche. Crane ! Tu parles s'il a désinfecté. Vous attendez ! Tirez ! Adieu, Doc. Ouais ! Youhou ! Ouais ! La 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 la. Ouais, ils sont un petit peu furax. Ouch, j'ai gagné un suppositoire. Ce qui me fait suer, c'est de pas avoir mon matos. Mais bon. Alors, récupérer. Non, mais. Ah, ouh. Salopard. Bien joué.
Bien joué, bien joué. J'avoue, j'aurais fait pareil. Ouais, oh, il faut qu'ils arrêtent. Ils ont fait une Michael Bay, là. C'est limite si les échafaudages n'explosent pas d'eux-mêmes. J'ai failli me faire avoir. Oh, attends, j'ai un kit de soins. Je vais où? Ah bah, je vais en face. Hop là. La 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 la. Merde. La. Bon, j'ai le temps de me soigner. Wouh! Pas avoir le vertige. Ah, joli petit parcours. Eh oh non, là ils peuvent pas m'avoir là. Mais c'est pas possible, je suis en boîte. Je suis en boîte. C'est chier. Oh la vache. C'est la guerre. C'est la guerre thermonucléaire. Allez, accroche-toi. On descend. Ah bah c'est bien, il y a de l'eau. Oh, quelle horreur. Oh, c'est un charnier. Ouais, c'est un épouvantable charnier avec des gravats et tout, c'est dégueulasse. Bref, dark. Est-ce que je vois plus rien? Je vois plus rien. Oh oh. Elle a pas fini de gémir. Mais je peux l'achever ou Merci. Ah non. Merci. Oh vache. Elle m'a donné 7$. La radine. Putain, mais il y a des zombards partout. Merde, j'ai loupé mon truc. J'ai loupé. Merde. Ah, de l'alcool. Ça permet de faire des kits de soins. Kits de soins. Kits de soins. Kits de tagadagada. Soins de soins. Les kits de soins. Oui. Alors crochet, je m'en fous un peu. Je pense pas que je sois dans une zone où j'ai le temps de crocheter quoi que ce soit. Là, faut pas déconner. Faut pas déconner, déconner, né. Encore que... Non, non, c'est complètement bousillé. Tout le monde est mort. C'est... Non, non, c'est la désolation. Ouais, la garnison de Rice. De toute façon, tout va péter, à mon avis, ça va s'écrouler. Eh hey. Ah oui, il faut aller au-dessus. Alors, attends, c'est-à-dire que... Oh. Non, il n'y a pas un truc qui est caché, là? Non, pourquoi? Je voulais accéder au égout, pour une fois. Pour une fois, j'aurais dit oui. J'aurais pas refusé la fuite par les égouts. Et le mec, il fait la grande évasion, il se barre en scout dans le désert, tranquille. Mais en sortant par les égouts. J'aurais été trop stylé. Et là, le mec, il remonte tous les étages. Hé, hey, attends, 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 il y a des cadeaux. Et là, une super arme. Ah oui, mais je vais finir par le croire. Après tout, eh, j'ai pas de compte à rebours. Hein. C'est moi qui me mets la pression parce que le scénario le suggère, mais... tranquille, je peux visiter tous les étages, là. Ah bon, c'est bon, il y a une fin. La 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 la. Je pourrais déjà personnifier une arme, dis donc. C'est peut-être ce que je vais faire, d'ailleurs. Ouais, il me dit, vous pouvez fabriquer un nouvel objet. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que je peux créer un objet. La machette. Je peux pas la fabriquer un truc? Ah! Une sangsue. Ouais, je vais me faire une sangsue. Ça y est, je suis déjà en train de me refaire. Bon, j'ai pas de module, hein, faut pas déconner, ouais, j'allais dire. Ce serait complètement abusé à ce moment du jeu d'avoir une... Oui, je suis content. Je suis content. Yo va faire bobo. Yo va faire bobo. Dida dida di bande de nalo. Allez, on se barre.
Et là, tout explose. J'ai trouvé un moyen de sortir de l'arène, et il faut que je retourne voir Brecken à présent. Zéré, il est mort. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il m'a dit qu'il avait réussi à donner ses notes à Jade avant que Raïs le kidnappe. Mmh. Il reste peut-être un espoir. Mmh. Mmh. Ah merde. J'ai pas vu... Excusez-moi, je fais pause du coup, parce que... Par réflexe, je regarde mon téléphone et je me rends compte que j'ai eu des messages de la famille. Alors comme c'est le week-end Pascal, je pense qu'il me souhaite un bon... Ouais. Il est dans la merde, Crane. Il est dans le mal. Déjà, tu vas éteindre ta lampe torche parce qu'il fait plein jour. Oh la vache. Waouh. Je pense que je suis dans une zone encore spéciale. Bah, je laisse Crane se reprendre de ses émotions. Pardon, je fais mon vilain, mais on sait jamais, ça peut être urgent les messages. Je me permets de regarder quand même en direct. Mon téléphone est complètement déglingué. Je lui demande d'accéder au message, il me fait un écran vierge. Oula, 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 oula. Merde, merde, merde. Ouais, là il est mal, il est en train de basculer, le pauvre Crane. Qui que quoi? Hein? Ah oui, ça va, c'est des messages, je vais pouvoir répondre tout à l'heure. C'est du semi-urgent, mais effectivement, c'est pour le week-end de Pâques. Oh putain, ça refait. Oui, il a pas eu son vaccin là. Oh la vache. Finalement, il faut peut-être que je me manie le cul. Il a plus de force, il arrive plus à courir. Il peut plus. J'ai plus le droit de sprinter. Merde, merde, merde. Zéré. Il est mort. Il est mort, le soleil. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est scripté. J'ai rien pu faire. Scénarium. Le téléphone cache au pays. Le virus zombie. J'ai dû te cacher sur le quai. La moitié des gars de Rice te cherchaient. Je sais pas ce que t'as fait, mais ils sont énervés. Je dois voir Jade. Zéré lui a donné toutes ses notes. Et elle a voulu tout apporter à Camden. En tout cas, elle a essayé. Ça veut dire quoi? Il a appelé pour dire que les gars de Rice avaient trouvé son labo. Il a laissé les zombies entrer et s'est barricadé. Maintenant, il est pris au piège. Merde. Ensuite, la liaison a été coupée. On n'a pas réussi à le recontacter. Je vais la chercher. Comment elle compte entrer? Ce quartier est bouclé. Il y a un groupe, appelé les Sauveurs, qui fait passer les gens. Ouais. Ils ont leur repère au bar de Nico, dans le chaudron près de l'autoroute. Le contact s'appelle Senk. On a assez de gars pour couvrir les livraisons? Les largages ont cessé il y a 36 heures. Il n'y en aura plus. Faut faire vite, Crane. Merde. Bon. Je sais pas si j'y arriverai, mais tu peux me croire, je vais essayer. À ta place, la plupart des types y restent planqués sans rien dire. Respect, mon gars, et bonne chance. Crane, voilà ton équipement. Karim te passe le bonjour. Tu le remercieras pour moi. Ah oui, tu peux. On va s'arrêter là, de toute façon. Ça, voilà, on voit le petit carré, c'est sauvegardé, mais... Allez, virez-moi toute cette mouise. Je veux retrouver mon matos d'avant. Oh, quel bonheur. Ouais, je vais vous mettre la compile de clip qui dure une heure, puis je vais aller déjeuner. On se retrouve après avec Twinsen.
Vous allez voir, on va faire un jeu en coop toute l'après-midi qui va nous porter jusqu'en soirée. Et à 21h en soirée, on ira voir Fun Fan, puisque je serai à ce moment-là commentateur. Enfin, commentateur, si je puis dire. Et je vais un peu le guider, et surtout, commentaire intéressant. Je vous expliquerai le moment venu. Enfin bref, on a une journée magnifique à passer ensemble. Ça va être trop bien. Ça va être trop trop bien. Bon, je vais pas vous faire suer avec le matos, hein. Ça a sauvegardé. Je ferai ça hors antenne. Il faut que je mémorise que la prochaine fois que je joue à Crane, j'allais dire, que c'est ça d'ailleurs, que je joue au jeu là, il faut qu'avant que je prenne mon antenne, je refasse mon matos, parce que je vais pas vous faire suer avec la sélection de tout le schmilblick. Donc je vais mettre la compile de clip. Ah, j'ai une nouveauté, je suis trop content. J'ai eu le temps de la mettre en place hier soir. C'est d'ailleurs pourquoi, je sais pas, non, Nashelman il est pas là, ouais, il profite de son week-end de Pâques, et il a raison. Mais le pauvre Nashelman, je l'ai pas rejoint hier à Minecraft parce que j'ai amélioré ma chaîne et vous allez voir. Si vous vous souvenez, quand on faisait la compile de clip, oula, attends, j'ai le. Blablabla. Quand je passais la compile de clip sur